Voilà, on est en ligne. On t'entend pas, Thibaut, si tu parles. Non, non, c'est bon, j'attendais que... Ok. Ah oui, d'accord. Bon, bah, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode de la 13e Légion. Justement, donc, Shiba Yatsuhiro allait nous faire le résumé de l'épisode précédent. Nous t'écoutons. Allez, Shuba. Allez, Shuba. Ça t'apprendra à écrire des trucs. Je vais juste tester si ça marchait. Alors, comment dire? La semaine dernière, nous avons été enquêtés sur les disparus. Donc des patrouilles avaient disparu, tout ça, on a été sur place. Arrivé, enfin, donc on a un peu organisé le truc avant de partir, voir qui on avait besoin, tout ça. Arrivé sur place, on a découvert un premier groupe de cadavres. Donc des samouraïs qui visiblement se sont pris un pan de montagne sur la... Jusque-là, on est en montagne, rien de vraiment exceptionnellement, catastrophiquement anormal. Jusqu'à ce qu'en observant, il me semble que c'était notre ami le moine, donc Togashi Sento, qui a repéré un cadavre de samouraï en contrebas, sur un chemin un peu plus loin. On s'est approché, alors il est mort de cause naturelle suite au planté d'un... Donc arrêt cardiaque, tout ça. Visiblement, ça paraissait normal, évidemment. Donc c'était un membre d'un autre groupe de patrouille qui avait disparu. Donc on avait retrouvé une patrouille entière décimée, un membre d'une patrouille tout seul et assassiné, visiblement. Et il nous manquait encore au moins une patrouille entière, voire plus tout le reste des cadavres des camarades de Yuka qui s'étaient fait planter. On a suivi un peu le chemin plus loin, où on a retrouvé les cadavres de tous qui n'étaient pas... qui étaient donc une troisième patrouille, qui eux, visiblement, ont été attaqués. On a vu des traces nombreuses de pas, de choses comme ça. Ils avaient le katana à la main et ils sont morts de mort brutale, visiblement. Indeed. Ils avaient eu le temps de combattre, mais il y avait quelques traces de sang. Attendez. Je crois que le samouraï a été repéré en suivant les traces de sang, en fait. Je sais plus. J'ai un doute. MJ, tu peux confirmer. Le non, samouraï avait... planté dans le dos, il a été retrouvé... Non, on l'avait trouvé sur la route, celui-là, quoi. Vous l'avez trouvé ouais, sur la route. On l'avait trouvé, parce que justement, il y avait des traces de sang sur la route, on l'a suivi jusque dans les fours. D'accord. Et on a retrouvé... Alors, en s'éloignant de la zone du combat... on a rencontré un moine qui semblait surpris et effrayé d'avoir trouvé de trouver des cadavres. Donc on a discuté avec lui, il avait l'air honnête. Pour tout le monde sauf pour le dragon. Oui, c'est ça. En même temps, c'est un dragon. Je me rappelle plus le nom de ce moine là. Shotai. Shotai, c'est ça. Et pas Showtime. Ouais, c'est pour ça que je m'en souviens. Enfin, cela dit, il a été un peu Showtime quand même. En continuant le chemin... Ah, t'as oublié un petit détail. Ouais, j'ai l'impression d'oublier un truc, mais j'arrive plus à mettre la main dessus. Bah, oui, voyons... Il y avait le gamin, non? Non, il y a... bah oui, non, mais avant ça... Il y a, il y a quand même eu un des cadavres qui s'est relevé. Ah, oui, oui le Z. Oui. Ah, le oui, Z oui, tout à fait. Il a pas fait long feu, du coup j'ai un peu oublié, genre, c'est un peu genre le petit chien qui essaie de t'attaquer et que t'as oublié le soir même, quoi. Mais un des cadavres a essayé de se relever et de nous attaquer. Il a pas eu le temps de se rendre compte qu'il était... du coup, après ça, on a... Mais du coup, moi j'ai une question, est-ce que tuer un zombie, ça compte comme un kill ou pas? Est-ce que quoi? Est-ce que tuer un zombie, ça compte comme un kill ou pas? Ben, c'est toi qui vois. C'est un peu comme réchauffer un plat au micro-ondes, est-ce que ça compte comme faire la cuisine, quoi? Ça dépend, ouais. Est-ce que c'était toi qui l'avais tué la première fois? Non. T'es tué un zombie pour la première fois, oui, mais tombé à un type que t'as tué qui se relève en zombie, non. Parce que du coup, ça ferait double.
Ah, mais même en zombie, je suis pas sûr que ça compte comme un kill. Un kill, c'est un combattant qui représente une potentielle menace. Là, c'était un zombie face à beaucoup trop de gens pour lui. Puis Lui, surtout, il c'est venait à lui qui a peine gagné de de se relever. l'expérience, en fait. Et ouais, en fait, je crois qu'il a même pas eu le temps de se mettre debout, en fait, le truc. Donc, globalement, t'as tué une chaise, quoi. Enfin, ça avait quatre pattes, c'était appuyé sur le sol, c'était une chaise ou une table, quoi. À part que ça grognait. Bref, j'ai l'impression qu'il manque une étape entre entre Zomb-Zomb et le Moignon. Oui, parce qu'en fait, ça c'était avant qu'on trouve la deuxième escouade. D'accord, ouais, on a trouvé le samouraï planté dans le dos. Il a tenté de communiquer alors qu'il était censé être mort. Et on a suivi le chemin, enfin, donc il est remort, et on a resuivi le chemin et on a trouvé le tas de cadavres. Mais il manque quand même une étape entre le tas de cadavres et le moignon. Non, non, c'est bon, moi j'ai pas Non, plus. Il me vous semblait qu'on s'était avez. déplacé avant de rencontrer le moignon en fait. Non, c'est Oui? oui, parce que en fait le moignon venait vers vous en fait et vous êtes allé vers lui, vous avez reculé en fait. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc sur le chemin un peu plus loin, sur un chemin un peu plus loin, on a vu un moignon qui venait vers nous, donc on a été l'aborder. Alors, autant le premier moine avait l'air d'être un moine normal, et c'est le moine de notre bande qui a trouvé Louche, dans ce qui pouvait sembler un peu comme étant peut-être de la La jeune fille, prétention. ou un truc comme ça, enfin genre ça, il est peut-être un peu blessé dans sa fierté qu'un autre moine ose approcher le groupe, ou un truc comme ça. Oui, jaloux. Voilà, il y a un coq dans la Voilà. basse-cour, voilà, en plus il s'appelle Autant, Chotaille. c'est ça. Autant, le moignon qui s'est approché avait l'air louche du moment où il était vu jusqu'au moment où il a ouvert la bouche. Là, il est passé de louche à extrêmement louche. Il a pas été vu, en fait, on l'a chopé dans un arbre. Il nous espionnait pendant qu'il est dans les buissons. C'est ça. Du coup, c'est la première raison pour laquelle il paraissait louche. Et quand il a essayé de nous dire venez par là, derrière ce chemin, il y a tout le monastère, machin, ils pourront vous aider, machin, blablabla. Là, il est passé d'extrêmement louche à il nous prend pour des cons. Et Chotaï a décidé de mettre en doute sa moinitude. Et là, le moignon a tenté d'attaquer. Là, t'as oublié quelque chose par contre. C'est pas qu'il a tenté de mettre en place sa moignon, c'est que quand Togashi l'a interrogé, il a dit en fait que les soldats qu'on cherchait en fait c'était des éclaireurs. Ah oui, c'est Détail ça. qu'on n'avait jamais mentionné. On lui avait dit qu'on lui avait dit qu'on enquêtait. Non, on lui a pas dit ce qu'on enquêtait. On lui a dit qu'on avait trouvé un tas de cadavres et tout ça. Et il nous a dit. Il nous a parlé des éclaireurs, sachant qu'on n'avait jamais exprimé qu'on recherchait des éclaireurs disparus. Donc, ce qui a achevé, enfin, c'est à ce moment-là que, du coup, il s'est fait attaquer. Enfin, quelqu'un a dit non, c'est faux, tu nous prends pour des cons, et que en version Rokugani, et qui a décidé de nous attaquer. Enfin, il s'est barré, lui. Il essaie de s'enfuir. Ouais, il a essayé de s'enfuir. Mais la semaine dernière, j'étais vraiment fatigué, j'ai l'impression d'avoir loupé la moitié de la série en C'est nous fait. qui l'avons attaqué. Il a essayé de s'enfuir. Donc, comme tout prédateur face à un animal qui fuit, nous on a attaqué. Et donc Shotai lui a écrasé la gorge d'un coup de poing. Le coup de bâton. Shiba. Oui, bâton. Bâton, pardon. Shiba a tenté de lui couper le bras pour l'empêcher, parce que Shotai a craigné qu'il s'agisse d'un Mao et que du coup il fasse un sort, donc il a préféré le faire taire. Shiba a essayé de l'empêcher d'utiliser ses mains, parce que parfois les Shugenja peuvent utiliser leurs mains pour faire des symboles qui permettent de faire leur sort. Il l'a donc blessé et ensuite le Moignon a rencontré un destin tragique des mains de Ikoma, je crois. Ou si c'est pas Ikoma, c'était Kyonyu. Non, non, moi j'ai pas eu le temps de frapper. Ouais, c'est ça, c'est Ikoma, ouais. En même temps, moi c'est propre, tu vois. Ça aurait été le Tetsubo. C'était de la compote, le mec, hein. Ah, c'est sûr qu'il aurait fallu changer l'air. T'as pas coupé la tête avec le Tetsubo? Alors, couper, oui, c'est plus, ça va s'arracher, tu vois, c'est comme quand tu prends le pain et que tu le sépares en deux. Je peux poser la question si la règle s'est adaptée en fait aussi pour le Tetsubo. Oui, elle est possible. C'est juste que ça va être sale. J'essaierai un jour. Le truc, c'est que les onis, c'est pas bien à décapiter parce que leur cerveau est pas forcément dans leur tête, alors du coup.
Je sais pas si leur tête est vraiment leur point faible, quoi. Pour mieux les couper en deux dans le sens de longueur, quoi. Ouais. Cela dit, généralement, il faut un volume qui empêche de faire ça aussi. En fait, c'est cheater, Noni. Dans tous les cas, là, on se préparait à rentrer dans la vallée que nous avait indiqué le gamin, histoire de, s'il y avait un piège, de tomber dedans. Ouais, pour trouver les coupables. Voilà. Oui, c'est sûr qu'il avait quand même mentionné que normalement les autres étaient là-bas aussi. Oui. Qui passe devant, en fait? J'y allais, comme ça, je me disais ma compétence de chasse, je pense. Ouais, moi aussi. Par pur hasard, j'ai pas un arc sur moi. Tu as la maîtrise de l'arc? Oui. Tu me lances un dé de 10. 1, 2, 3, 4, 5, tu l'as pas. Et 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu l'as. D'accord. Oh, tu l'as. J'ai un arc, ok. Moi, je sais que j'ai un arc dans mon matos. Du coup, je pense que j'ai dû le prendre. Parce que c'est le genre de choses que j'ai tendance à prendre. Ils sont trop fragiles. Là, parce que disons que si on rentre dans une vallée et qu'on se fait prendre en embuscade, pouvoir tirer de loin, ça peut être pas mal. Il suffit de courir vite, voyons. Ça peut marcher aussi, mais voilà. Ça dépend à distance, quoi. Ou courir derrière quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais, mais ça, c'est un peu lâche. Dans tous les cas, je préconiserais, on va dire, une avancée des deux bourrins au centre de la vallée et des moins bourrins sur les côtés, histoire de pouvoir surprendre. Quand tu dis les deux bourrins, c'est donc Kyonyu et Togashi. Bon, non, c'est moi et Kyonyu. Ouais. Enfin, Ikoma et Ida. Et après, les deux autres. Vous avez Togashi, il a l'habitude de marcher en montagne, donc à mon avis. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais moi j'imagine une vallée en fait, ou une espèce de crevasse où on va avoir de chaque côté des pans de mur, quoi, enfin des parois, et donc du coup on pourrait se faire sniper en hauteur, quoi, et nous en bas on serait. Moi j'aurais vu plus large parce qu'il avait parlé de. Non mais sérieusement, vous vous rappelez du petit éboulement qu'il y a eu sur les mecs d'avant? Oui, tu veux dire. Ça va nous la faire la même. Hein. Ben, oui, mais tu vois, c'est là l'avantage d'être grand parce qu'ils sont tous écrasés, il y avait tous sous les tas de pierres. Moi, j'aurais peut-être la tête qui dépasse encore. Alors, c'est une vallée qui descend vers quelque chose de boisé et de suffisamment grand. Ouais, mais du coup, boisé, bien boisé dans le sens que des archers qui peuvent être pendus sur des arbres peuvent nous attendre et nous cueillir, quoi. Entre autres, oui. Point, hein. Voilà. Parce que l'idée étant de. Quoi, ça veut dire qu'il y a une piscine en bas? Comment? Suffisamment grand, ça veut dire qu'il y a une piscine en bas? Grand pour que ça soit une zone, je veux dire, il va falloir plusieurs. Vous l'avez vu de loin, c'est vraiment une grande zone. Vous avez vu qu'il y avait l'air d'avoir une sorte de grosse zone clairière, mais le territoire a l'air un peu vierge, quoi. Il y a un vieux truc qui a l'air d'être vers le centre. Un vieux truc. Peut-être une structure, vous savez pas trop quoi, au milieu d'une pseudo clairière, mais le reste, je veux dire, c'est assez grand quand même. Hein. Ok. Après, vous pouvez rentrer chez vous et dire mission terminée. Hein. On peut fabriquer des planeurs et après on dit c'est. Allez, alors, moi, il y a un truc que je me demande, parce qu'on a déjà eu un cas de choses bizarres qui ne devraient pas être là où c'est et qui fait des trucs bizarres. Est-ce que cette vallée sont cohérentes avec le décor? Est-ce que cette vallée, enfin, est-ce que les montagnes, le plan des montagnes qu'on avait pu voir et tout ça, ça semble cohérent qu'il y ait cette vallée-là, ou est-ce que ça semble un truc... C'est les territoires du clan du Phénix. Hein. Après, tu peux essayer de me dire, est-ce que tu connais cette vallée? Tu peux faire un jet de connaissance. Bah, je vais faire ça. Ok. J'ai cramé un point de vue d'histoire de. D'avoir une chance de faire un jet correct. 31. Ok. Alors, tu viens avec moi dans la maison de Gaïcha. Et Obi, je te laisse mettre le machin. Ok. Alors, tu sais que c'est une vallée qui est interdite. Interdite depuis des siècles et que il est puni de mort toute personne qui rentre sans autorisation. Et que voilà, tu sais que c'est une vallée qui est interdite. Tu n'es plus exactement sûr de ce qui s'est passé.
Mais il te manque quelques points pour avoir su ce qui s'est passé, mais pour l'instant ça te revient pas. Peut-être que ça te reviendra après, mais pour l'instant, tu sais que cette vallée était interdite dans ton clan. Ok, donc ça, c'est vraiment un tabou du clan. Donc il y a des gens qui gardent activement cette vallée? Bah normalement, cette vallée, elle est pas censée être praticable. Donc après, vous avez un camp militaire qui est pas très loin. Je veux dire, peut-être que les entrées les plus courantes, elles sont gardées. Vous êtes peut-être passé par des coins, mais là, la description de la vallée, les choses où elle se situe, tu te dis, ça pourrait être cette vallée interdite qu'on parle, qui est dans le nord, etc. Mais alors après, il faut que tu réfléchisses un peu plus longtemps sur le pourquoi du comment, mais tu penses que ça... Question, est-ce que du coup, avec ce jeu, je sais s'il y a un campement... Phoenix, pas trop loin, à qui on pourrait demander s'ils ont vu les éclaireurs. Alors là, il faudrait revenir dans les terres du clan que tu connais, là où il y a le camp militaire, un peu plus loin, quoi. Là, normalement, tu ne saurais pas où te retrouver exactement. C'est des connaissances, hein, c'est pas du... Ouais. Donc, ouais, mais je sais, mais par exemple, si dans la connaissance de cette vallée, j'avais connaissance d'un camp qui gardait la vallée, tu vois, ou un truc comme ça, où on pouvait aller demander... Ok. D'accord, pas de problème. Je vais prévenir mes camarades avant qu'on fasse un imperné négligeablement mortel. Comme tu veux, voilà. Bah, je te dis, après t'en fais ce que tu veux. Ouais, mais ça me paraît pas mal comme information à transmettre à mes camarades. Là, comme ça, à vue de nez, ça me paraît pas complètement stupide de les prévenir que s'ils font ça, ils vont mourir. Aussi, ok. Genre. Du coup, vous pouvez remonter. Ouais, ouais. Hop. Voilà, c'est remonté. Donc, voilà. Samurai Sama. Alors, par contre, faudrait que tu me donnes le nom. De quoi? De Dana, la vallée. Vallée de Dana. Ouais. Je peux pas te donner le nom exactement. On va l'appeler la vallée de Dana. Parce que là, ça va révéler trop de choses, du coup, je te le donnerai après. Ok. Cette vallée est un tabou de mon clan. S'approcher de cette vallée est généralement est synonyme de mort. Synonyme de mort dans le sens que quand on y rentre, on meurt, ou que si le clan du phénix la prend, nous serons condamnés à mort. Ça, c'est une bonne question. Cette vallée est interdite, c'est ça que tu sais. Après, faut un peu plus d'infos et. Oui, cette vallée est interdite. Le fait est que, ou à la limite, je vais réessayer, essayer d'avoir de plus d'infos. Faut un nouvel élément pour que tu puisses refaire le jet. Du coup, moi, j'essaie de savoir, est-ce que le nouvel élément, ça peut être justement les conditions pour lesquelles c'est interdit ou les raisons pour lesquelles c'est interdit. Est-ce que ça peut être un nouvel élément? Oui, ça peut être ça. Ça peut être un élément du lieu qui peut te dire, ah oui, cette structure, ce machin, quelque chose qui est, on va dire, une autre piste de recherche. Parce que là, techniquement, t'as utilisé des connaissances. Il te faut quelque chose, on va dire, matériel. Enfin, pour avoir un nouvel. Bref, faut que tu rendes un truc interdit pour savoir pourquoi c'est interdit. C'est juste poser la question sous un autre angle, dans le sens justement de pourquoi c'est interdit et de qu'est-ce qui se passe si on franchit interdit, ça suffit pas? Non, parce que t'as déjà fait un jet de connaissances pure sur la région. Moi je t'ai donné une info, tu peux pas, enfin ce sera un peu... Non, c'était juste histoire d'être sûr, hein, c'était... Ok, pas de problème. Ma foi, je n'ai pas assez de détails sur la vallée, pouvoir garantir exactement quelles sont les conditions de cet effet d'interdiction. Bah, comme ça l'a pas entendu, mais êtes-vous vraiment certain de vouloir rentrer dans les personnes que nous cherchons, ils sont... Vous pressez par quel chemin? Celui que vous avez indiqué le petit jeune, ou le chemin qui a l'air d'exister, même s'il a... Il est plutôt absent? Est-ce qu'on peut voir des traces dessus? Alors, si vous cherchez bien, vous allez trouver des traces par le petit chemin qu'a dit le petit jeune. Des traces de pas, oui. Mais vous trouvez d'autres traces de pas, un peu plus nombreuses, sur le chemin qui semble, on va dire, naturel. L'autre chemin, par contre, il y a
pense j'aime bien le ouais, dit Koba. Le chemin naturel où il y a plus de pas que le pas que le chemin que nous a indiqué le jeune me semble plus sûr. Parce qu'il y a peut-être des protections magiques en fait pour entrer dans la vallée par la voie royale. Et donc on va se prendre des cailloux sur la tronche, alors que de l'autre côté, c'est peut-être le petit chemin que seuls les locaux connaissent et que du coup, qui est pas protégé par la. En effet. Ouais. Cette analyse. Ce sont mes 2 centimes, donc on passe par le chemin petit. Que nous a pas indiqué le jeune garçon qui a perdu la tête récemment. Ouais. Il y a Shotai qui regarde le décapité et dit il est triste que des brigands prennent l'apparence de moines pour quémander et blesser les honnêtes suivants de Shinsei afin de les emmener dans une tourmente que leur désespérance les a. Oui, enfin bon, plus punir que ça. Je connais des gens, si, ils pourraient plus punir dans les 5. Donc du coup, vous faites un feu de camp, vous dormez là. Ça me semble pas mal comme idée. Bon, vous êtes en fin d'après-midi. Ça me semble une mauvaise idée d'allumer un feu de camp en fait. Parce qu'on va être on va aller dans la forêt chercher du bois. On va être vieux des kilomètres hein, si on fait un feu de camp. Donc, Mais non, c'est... Surtout qu'il semble pas seul vu qu'il y a eu un gros affrontement. Ouais, non, c'était le côté on campe là avant, au lieu de reprendre la marche tout de suite pour aller je sais pas où tu vois. Bah, disons que ouais, on va peut-être se trouver un endroit pour camper tranquille ou bilou. Je sais pas s'il y a une grotte ou un truc comme ça avant. Est-ce que avant la tombée de la nuit, il y a moyen d'avoir un autre point de vue sur la vallée, sur les environs, sur. Soit vous montez sur des arbres et c'est pas sûr, soit vous remontez plus haut, mais vous avez déjà vu le point, un des points les plus hauts, c'est ce qui vous avait fait découvrir en fait un passage ouais. Pour aller dans cette vallée, sinon vous l'auriez pas vu. Trouvons-nous plutôt une petite clairière, c'est mieux. Dans la forêt ? Je préfère éviter que nous rentrions dans cette forêt. Je ne sais pas exactement quelles sont les circonstances, mais cette forêt est connue comme étant dangereuse et interdite pour tout le clan. Si le phénix interdit l'accès à cette forêt, c'est qu'il s'y passe quelque chose. Alors du coup, vous faites un feu de camp ? Non. Ça dépend. Pour l'instant, non. Pas trop. Bah, il fait un peu plus frais, évidemment, que là où vous étiez avec l'armée, mais c'est supportable pour l'instant. Bah, on va. Je te dis, on va se trouver un coin pour dormir, mais on fait pas votre camp. On est pas ouais, on va trouver un coin s'il n'y a pas un petit abri, un petit rocher qui fait un petit affleurement et protège de l'éventuelle pluie ou du vent. Un jet de dés pour se demander s'il n'y a pas un dans la troupe qui a. Je vais faire un. Ok, donc pas de feu, rien. Moi, je veux bien regarder dans les environs. Bah, vas-y. Je vais faire un joli saut et puis. Ok, je te laisse le décrire aux autres. Donc, on est plus ou moins à la lisière, il y a des arbres un peu. Enfin, c'est assez. Oui, des pins. C'est assez tassé, en fait, du coup. Enfin, ça fait, oui, oui, mais c'est assez tassé. Clairière et puis rien du tout. Non, là pour l'instant vous allez rentrer, vous êtes rentré dans la forêt un petit peu. Il y a avec un chemin légèrement, mais okay, vous ne voyez pas la carrière encore. Ok, d'accord. Ouais, je vais sauter et puis je vais voir les arbres. Bah vas-y. Alors. Internet pourri, strike back. Mon tatouage du vide pour voir s'il y a du monde autour. Tu vois que dalle à part des lapins. Okay. Toujours des lapins. Ça ne fera pas de toujours des lapins. Du coup, je vais activer mon tatouage de l'aigle et puis je vais faire un saut en fait en hauteur pour voir en fait si je vois quelque chose d'intéressant. Donc tu fais un magnifique saut. J'arrive juste au-dessus des arbres tu vois que la région a l'air plutôt magnifique dans le sens plutôt primordial, comme si elle n'avait pas été travaillée depuis longtemps. Elle est assez vague, elle est, enfin assez large en fait. Vraiment, c'est une vallée qui
pourrait accueillir les territoires d'un clan mineur en tout cas, ou en tout cas c'est une petite province, mais c'est assez grand. Et tu vois, à son centre, si on peut dire, tu vois un espace qui a l'air un peu plus déboisé, avec un reste de structure, sûrement hein, quelque chose qui avait été construit auparavant. Et ça a l'air d'être à 2 heures de marche vers la direction du chemin. Un truc plus qu'un temple, une sorte de pyramide. Oui, ou enfin des ruines, sûrement des ruines d'un temple ou d'un truc comme ça, vous savez pas. Ok. Enfin, ça a été pris un peu par la végétation, mais tu vois clairement qu'il y avait l'air d'avoir une grosse structure ici. Okay. En fait, la terre, elle a un peu une marée casée, c'est vraiment pas ça. Du tout. Ok, d'accord, donc c'est très boisé, c'est même assez fructueux, même. Ah non, mais c'est une région qui est exploitable, hein. elle est bien. D'accord. Ok. Okay. En tout cas, de là où vous êtes, elle te paraît pas. Alors, je dis pas, le centre est peut-être. Bah, il est moins boisé, hein, c'est un peu plus noir, mais tu le vois pas trop. Hein. Bon, en même temps, si on s'approche du centre avec des ruines, c'est peut-être. Parler. D'accord. Ok. Mm-hmm. Voilà, donc du coup, tu peux transmettre l'information si tu veux. Alors, je transmets l'information et puis je vais regarder un peu. Dans les alentours, en fait, est-ce qu'il y a des plantes ou bien des trucs comme ça qui seraient intéressants en fait pour pouvoir cuisiner ou des trucs comme ça? Lance-moi un jet d'artisanat plante, quoi. Enfin, cuisine. Ouais, on va dire que tu trouves quelques petites herbes, oui. Ouais. Ok, d'accord. Donc des trucs intéressants pour pouvoir faire. Du coup, il fait assez sombre ou bien il y a encore. Il y a encore un peu de lumière. Oui, non, mais je pensais en fait à... Ouais, très difficile, en fait. C'est à 2 heures. Ok, donc en fait, il faut... Oui, au soleil. On n'a pas oublié d'allumer des torches pour... Non, pas du tout. Okay. On va pas allumer de lumière, sinon on risque de se faire repérer par les voleurs. Peut-être qu'il était tout seul comme voleur. En fait, le moine là, il nous accompagne. Oui, lui, il a pas envie d'être tout seul pour l'instant. Il vous accompagne. Lui, là, de toute façon, il va dans la vallée, hein, donc. Shotai, ça va. Étiez-vous au courant que cette vallée était interdite par le clan du Phénix? Je crois que cette vallée, la vallée interdite, s'il y en a une, elle n'est pas dans cette vallée-là. Elle est beaucoup plus loin dans le. On m'a dit, enfin, je ne pense pas que cette vallée soit interdite. Pourquoi cette vallée serait interdite, à votre avis, Ikoma-sama? Qu'est-ce qui la rend interdite? Ce qui la rend interdite, ce sont les lois des gens qui règnent sur ces terres. Je ne voudrais surtout pas contredire un membre du clan du Phénix ou du samouraï. Hein. Si vous pensez que je dois tourner talon, je rentrerai. Ailleurs, dans mon monastère. Et qui vous a... C'était c'était un moine qui était venu se reposer dans notre monastère. Alors il dit que lui, il était près de dans les terres du crabe, pas loin d'un monastère près de la montagne, près des terres du sud, un petit monastère d'Osanobu. Il a dit qu'il un moine était passé par là, puis il avait parlé de ça, donc du coup il avait décidé de traverser l'Empire pour y accéder. D'accord. Et vous êtes parti de suite après que ce moine soit parti ou... Oh non, le temps de préparer mon voyage quelques mois après. L'individu était déjà reparti depuis longtemps. Et vous ne savez pas ce qui est advenu de lui? Pas le moins. Ouais, à mon avis, il a passé la muraille, mais... Les connaissances en histoire, ça peut pas aider pour savoir l'histoire de la vallée. Oui, mais tu me fais un gros G. Bah, je me doute, ouais. Hein? Avec mon... En 4G2. Tu me fais du 50? Ok, pas de soucis. Putain, c'est vas-y, quoi. Comme thème, moi, je veux bien Il a fait un 31, Shiba, il le savait pas, alors je te peux pas te l'accorder, moi. Non, mais c'est bon. C'est quoi comme jeu? C'est un jet de connaissances histoire.
Bon, allez, je sens dit, installez-nous campement près de la route et puis on verra ça demain matin. Dans tous les cas, je suis pas sûr qu'il soit sage de rentrer dans cette vallée connaissant les informations que nous a apportées Shiba Yasuhiro Sama. Peut-être devrions-nous retrouver l'armée et indiquer au clan du Phénix que cette vallée interdite semble être visitée, habitée. Ils enverront une armée pour régler ça en nombre d'un souci. Après, n'oublie pas que il manque trois personnes des éclaireurs, vous ne savez pas où, qui peut se trouver pas très loin, mais... Oui, mais s'ils sont rentrés dans la zone interdite, ils sont dans la loi, donc quelque part... Après, ils savaient peut-être pas que c'était interdit de toute façon, mais... Ouais, mais nul n'est censé ignorer la loi. Oui, en même temps, sur un territoire... C'est ça, mais alors... Est-ce que on nous a remonté l'information qu'il y avait eu apparemment un gros bâtiment, tout ça? Et est-ce que ça suffirait pour relancer une réflexion sur... Si tu voyais le bâtiment, c'est possible, oui. D'accord. Claire. L'enfoiré, il veut que je rentre dans cette... Vous pouvez repartir, hein, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de partir? Bon, la curiosité. Je me parlais bien, hein, parce que à mon avis... On a l'idée, hein, mais du truc, mais... Ouais. Pour moi, ça pue. Hein. Bah, moi, j'aurais tendance à dire... C'est clair que, face à la mission que l'on nous a demandé de remplir, c'est de voir, en fait, qu'est-ce qui s'est passé. Ça veut pas dire qu'il faut qu'on aille explorer et puis qu'on aille rentrer dans une carrière et puis une vallée interdite, bah, et un peu comme ça. Hein. Cela dit, on sait toujours pas ce qui s'est passé avec un des groupes. Et on sait pas vraiment ce qui s'est passé non plus avec les autres groupes. Mais tout à fait. Mais est-ce que ça a véritablement... On est sûr et certain que ça a un rapport avec cette vallée interne. Et non. Deuxièmement, est-ce que cette vallée est sur la route de l'armée? De notre armée? De notre légion? Voilà, donc si c'est pas le cas, pourquoi s'embêter? Moi, il me semble qu'ils avaient été envoyés en éclaireur, mais que c'était un peu en dehors de là où on était censé aller. C'était plus vérifier les alentours, tout ça. Moi, c'est ce que je me rappelle de, quand on nous a expliqué qu'ils étaient partis en éclaireur. À mon avis, ils ont fini en apéricule, les mecs, c'est bon, quoi. Mais dans tous les cas, on fait quoi? On dort là et on rentrera dans la... Je pense qu'il est plus sage que nous posions à un endroit sécurisé, à l'écart de la forêt, et plutôt que de marcher nuit dans la forêt. MJ, est-ce que c'est possible de faire une avance rapide jusqu'au lendemain matin? Oh, bah y a pas de souci, vous me dites. Donc, du coup, vous dormez là sur place? Bah, on va se reculer un petit peu pour se mettre à l'abri, mais. Ouais, voilà. Par contre, vous faites des tours de garde, vous tournez tous ensemble? Oui. Moi, je peux arrêter. Faire un tour de garde, peut-être. Ok, vous les faites par groupe de deux, tout seul? Moi j'aurais dit seul, mais sans le moine. Ok. Le moine n'en fait pas. Évidemment. Et lequel? Je vous rappelle que vous avez des... Le PNJ, il n'en fait pas. Hein, vous avez des suivants avec vous, hein, sinon. Oui, c'est vrai que dans le groupe, on a quand même... On a un Shugenja, un Doji, un Ronin et un... Et un taciturne licorne. D'ailleurs, du coup, question, la Shugenja, elle peut pas avoir une alarme une alarme. Qu'est-ce que t'entends? Tu veux dire... C'est une question du joueur, hein, c'est pas une question de mon personnage. Hein. Oui, elle peut mettre des sorts protection, oui, bien sûr. Là, du coup, par deux, ça peut se jouer, vu le nombre qu'on est, effectivement. Mais le moine chelou, j'en veux pas, dans les tours de garde. Lequel de moine chelou? Parce qu'on en a deux, là. Je vous laisse réfléchir, j'ai une appli d'urgence bébé, je reviens. Je vous laisse réfléchir, merci. Ah, mais c'est tout fait, hein. Désolé, c'était trop facile le coup du one shot. Ouais, de toute façon, enfin, le moine, il est bien sympa, mais bon, le ligoter, ça serait bien. Ah, oh bah, à mon bah, avis. Sûr, moi, je n'y fais pas trop confiance à ce gars-là, clairement pas du tout. Et du coup. Bah après on peut pas c'est pour des samouraïs, c'est on peut pas se permettre de le ligoter en mode tu vois, on te fait pas confiance, quoi. Je suis tout à fait d'accord, c'est pour ça que ça c'est préférable, mais on pourrait pas vraiment
Enfin, moi, je pourrais le faire. Mais devant vous, ça a pas d'honneur, les... Ça a pas d'honneur. Bah, vu mon passé et puis vu ce qu'est ma famille, j'aurais aucun scrupule à ligoter un. C'est si, enfin si, ça a de l'honneur à moi, mais c'est plus con, ça respecte pas les mêmes règles. Un samouraï. Que normalement, un samouraï, il a pas le droit de juger un moine en fait, parce que le moine fait partie d'un ordre religieux et en fait à la tête de cet ordre religieux. C'est compliqué, ils sont un peu à l'écart de la justice, les moines. Pour qu'un samouraï lève la main sur un moine, c'est compliqué. Bah, on l'a fait juste avant. Oui, mais parce, bon, qu'on, a... Après, si parce qu'on a supposé que c'était pas un vrai moine. Il se faisait passer pour. Voilà. Mais dans tous les cas, un moine qui est établi et qui fait des crasses à des samouraïs, pour que les samouraïs les fassent chier, c'est compliqué, quoi. À ce moment-là, les règles... Ouais, ça dépend des MJ, hein, mais en tout cas, moi je sais que... Ça dépend. Là, De toute façon, il est carrément louche. Ouais, moi je pense avoir plus ou moins compris qu'est-ce qu'on a en face de nous, donc effectivement... J'en ai pas la moindre idée. Bah, moi je connais le BGL5R. Mais... Ouais. Ouais, c'est hors-jeu, quoi. Donc, moi j'ai pas au courant. Mais cas, moi là, du coup, ça me rend vraiment curieux. J'aimerais bien réussir à avoir avoir des infos, tu vois. Eh ben, tu sais quoi, tu passes 5 minutes dans le truc et tu. Et tu risques pas de devoir faire seppuku pour avoir contrevenu à un ordre de mon clan. Tu te démerdes avec ça, hein. Parce que mon perso, il a 5 enfin, il a quand même 5 en honneur. Du coup, ça m'emmerde un peu, tu vois. Moi, techniquement, avec mon honneur, si c'est interdit, je vois pas comment je peux y aller, tu vois. Alors après, on peut supposer que l'ordre impérial est plus important que l'ordre de clan, mais bon, c'est quand même compliqué à trouver, quoi, dans tout ça, donc... Moi, je suis assez partant pour faire demi-tour, hein. Ouais, moi je pense que de toute façon, avec 5 en honneur, les chances que je freigne un interdit de mon clan sont assez faibles. Bah, de toute façon, personnellement, pour moi, vu la mission que l'on a, soit la dernière, d'aller de toute façon dans la forêt, et puis du coup, là j'aurais tendance à dire qu'il faut retourner au camp, pour dans le sens attendre des ordres peut-être plus précis si jamais il y a besoin en fait d'aller, mais autrement le moine, j'aurais tendance à dire, enfin on peut pas le ligoter, on peut pas le tuer, on peut pas rien en faire, donc à part lui dire ciao quand il finit ta route, non, on peut lui demander de nous suivre et on peut lui dire de ne pas aller dans cette truc interdit. Alors c'est clair que on peut lui dire que cet endroit est interdit et donc du coup il n'a pas à y aller. Ouais, mais la question c'est est-ce qu'il veut y aller sciemment parce qu'il y a des trucs interdits et que voilà, ou est-ce qu'il s'est vraiment fait embobiner par quelqu'un et du coup il s'est dit non, mais que, oui, fait, c'est pour ça que je pense que c'est bien possible que la dernière patrouille que l'on a pas trouvé en fin de compte c'était. Ouais, mais on a le temps, hein, on a le temps de retourner au campement, demander l'avis du général et de Isaac. Bah, moi, je trouve que c'est plus sage d'aller demander et puis de voir qu'est-ce qu'on fait. Parce que, enfin, si en effet c'est un endroit qui est interdit, autant demander en fait quels sont les ordres à ce moment-là que de se lancer en fait avec une certaine initiative, certes, mais une initiative qui peut aussi nous coûter cher. Parce que. Moi, ouais, techniquement, s'il y a problème là-dedans, c'est au Phoenix de régler, pas à nous. Hein. Oui, mais pour savoir qu'il y a un problème là-dedans, il faut qu'on rentre là-dedans, et du coup, ça en prend un ordre du Phoenix, et du coup, ça demande... Je suis pas d'accord. On sait qu'il y a un problème là-dedans, puisqu'on nous a dirigé vers. On sait qu'il y a une activité bizarre. On peut aller demander au clan du Phoenix et leur prévenir. Il y a visiblement des gens là-bas, dans cette palais. Ouais. Ils ont probablement intercepté nos sentiments d'erreur, donc allez-y. De toute façon, notre devoir, c'est en plus de retrouver en fait les patrouilles disparues, c'est aussi dans un sens d'avertir, ok, là il y a un truc,
vraiment chelou. Et puis, va savoir, hein, peut-être que le général se dira « Ok, d'accord, on prend l'armée, puis on rafle. » Oui, parce que peut-être que la générale et les phénix du coin nous diront d'y retourner et de faire le ménage. Et encore, mais... on va savoir, en retournant si, en temps, on aura peut-être des infos qu'on n'a pas juste là, en tout cas. Oui, aussi. Oui. C'est un ordre de la générale ou de Izawa Toga, c'est lui qui nous force à faire un acte déshonorant en désobéissant aux lois du phénix. C'est lui qui porte la responsabilité de ça. Moi, je dirais juste... Bah, parce que là, vraiment, on se lance vraiment dans un truc, on ne sait pas dans quoi on rentre. Alors que si on va peut-être chercher des infos, ça peut être pas si mal que ça. Surtout que rien ne presse à y aller maintenant. Non, a priori. Enfin, c'est pas comme si on avait des petits gros culs et puis qu'il fallait qu'on aille sauver la princesse. Hein. De toute façon, le seul fait à noter, c'est que nos sentinelles, eux, se dirigeaient vers le territoire interdit. Tout à fait. Oui. Et... Bon, du coup, Thibaut revient, on lui dit ça. Et puis, on avance. Du coup, on retourne sur nos pas. On était à combien de temps de marche, là, par rapport au camp ? Et j'aurais tendance à dire que le mode pourrait venir. Un jour ou deux, je pense. Bah, clairement, je veux dire, à la générale ce qui s'est passé, et puis bon, enfin, sérieusement, quoi, il s'est occupé soi-disant d'un mort, en tout cas, et il s'est relevé, ça fait un peu, super, quoi. Et puis bon, enfin, vu ce que j'ai pu voir, c'était pas non plus très médicinal, et c'était plus ritualiste. Après, les morts qui se relèvent dans Rokugan, c'est pas non plus inusité, vu qu'ils crament leur... Ouais, mais faut quand même un sort pour que ça arrive. Hein. Bah, il y a quand même un rituel, c'est pas spontané. Il faut pas se relever comme ça. Hein. Ah, moi, je croyais que ça venait parce que ça venait comme ça, ça faisait partie du baroum, quoi. Bah, il me semblait qu'il y avait des fois où parfois ça arrivait quand même, du coup, par peur de ça, les gens avaient tendance à... techniquement, dans les règles du jeu, faut un rituel, faut un sort, un truc comme ça, mais après un endroit très très souillé pourrait provoquer des corps qui se relèvent. De l'autre côté, oui. Vraiment bien souillé, moi je vois franchement pas, simplement comme ça, j'ai vu nulle part que c'était possible. Dans tous les cas, nous avons pris la décision de rebrousser le chemin, d'aller discuter avec le général, enfin la générale et Izawa Toga, de leur expliquer la situation et d'aviser en fonction d'eux. Vous passez la nuit là ou vous marchez de nuit ? Bah, on avait déjà commencé la nuit. Ok. Ok, donc. On a fait les tours de garde et puis voilà. Ok. Pas son matin. D'accord. Bien. Il y avait un ordre pour les tours de garde, non? Un groupe ou pas? Moi en premier. Ok, et elle était avec qui? Il veut faire le tour de garde avec moi. Ouais, j'accepte. Oui, je suis pas. Ok, d'accord. Et puis ainsi de suite dans l'idée, c'est ça? Ouais, moi je me mets avec Dao. D'accord. Ou avec la Choubou, ça dépend si elle a envie de discuter. Tu as... comment il s'appelle Doji qui s'est proposé de... Ouais, mais alors du coup, je me dis... est-ce qu'ils vont vraiment veiller ou est-ce qu'ils vont faire des... Faut câlins, hein. Bah t'as qu'à rester éveillé pour justement en savoir plus. Ah, c'est comme ça qu'ils font chez les Doji. C'est sympa. Et puis tu balances... Oh, je suis pas très fatigué, j'arrive pas à dormir. Non, je ne les espionnerai pas. Cependant, ma remarque est valable et je ne vais pas m'y opposer farouchement, mais disons que je vais voir Deji et lieu je lui pour explique ce genre de... que peut-être mieux s'il est plus concentré à la tâche. Ah, si vous voulez, moi je veux bien laisser ma place à quelqu'un d'autre, je vais veiller à vous. Voilà. Ah, sinon, il y a le troisième moine, enfin le deuxième moine. Ne refusez pas. Moi, je pose une question à Doji, arrêtez de parler. Que Doji me réponde, point. Alors, redis-moi la question après. À la réponse en RP. Eh ben, Doji-sama, est-ce que vous ne préfériez pas faire votre tour de garde avec quelqu'un d'autre plutôt que Asahina-sama, avec qui vous pourrez être peut-être. Par rapport à sa conversation mielleuse, ravissante.
Je sais bien, mais je pense pouvoir assurer mon devoir. Si Vous le en êtes plaît à la sûr? compagnie. Certain. Très bien, ça me va. Après, tu peux essayer de me faire un jet de courtisan Ah contrôlé non, pour savoir. mais bah, il a dit qu'il se sentait sûr. Si on est attaqué, demain il est mort. C'est tout. Je le tue. Clairement, je le défie en duel, quoi. Donc, y a pas de souci. Voilà. Ah non, mais moi, il n'y a pas de souci non plus. Ok. Donc, Moi, je le fais alors. avec un goût. Ok. Alors, vous allez me lancer. On va lancer un des 10 pour chaque tour de guerre. Et on va voir lequel est le plus mauvais et le plus gros. Alors, il y en a un par groupe qui lance un des 10. Alors, si tu veux que ça soit un jet pourri, tu me le dis, hein. C'est moi qui le fais. Ou si Alors, tu veux que ça Ida a soit un lancé bon pour son groupe. C'est quoi Je ça? lance pour le groupe Un des de la 10. grue. J'ai fait 8. Est-ce que tu crois en ton karma? Alors, qui a la poison? Bon, on va espérer que c'est moi. Du coup, on Ah, va pour laisser. l'instant, c'est Ida. On va laisser. Oui. C'est pour être Oh tableau. putain! Il est Bon, moins bah, bien. nickel. Eh ben. Écoutez, bah, pendant que vous dormiez tranquillement, enfin, vous étiez à vos occupations. Attendez, comment je vais décrire la scène? Donc, il y a Shiba et Togashi hein, qui sont en mode aware. Voilà, dans l'été, donc ça discute un peu. Quand soudain. Alors, comment je vais le décrire? Radamé. Il voit une ombre furtive passer par le côté sud de votre campement. À gauche, à droite. Ça va assez vite, mais ils ne sont pas sûrs. Bon, bah, bref. Dans le doute, surveille encore. Là, pour le coup, je mets la main sur l'arme et Ah oui, non, je j'essaie de pense voir bien. si je vois quelque chose. Bah, sur le coup, moi, j'active mon tatouage vide. Voilà. Donc tu actives ton tatouage et tu ressens la présence de 6 personnes proches de vous. En plus, évidemment, du groupe. En plus du groupe, d'accord. En tapinois. En tapinois. D'accord. Voilà, donc initiative, c'est lancé. Trop tard pour le jeu d'avant. Ok, mais enfin, moi, mon perso, il les a pas repérés plus que ça. Non, Enfin, du coup, non, je sais pas que plus que ça, Togashi non. allait prévenir attaque histoire de confirmer, tu vois, mais d'accord. Je réfléchissais en fait à une petite technique. Est-ce que en fait je balance certains trucs ou bien je préviens ou bien pas en fait. Non, c'est plus que ça. C'est 10 mètres, je crois. Ok, d'accord. D'accord. Alors, une petite. Oh lolo. Oh putain, c'est une de... Ça parle pas, c'est que ça envoie des MP là. Ah non, j'étais en train de parler, mais personne, j'étais le micro coupé. Donc je disais que Yatsuhiro, tu peux envoyer un, tu peux faire un jet de vigile pour savoir si tu fais un jet d'initiative. Un jet de vigilance. C'est-à-dire perception plus. Putain, faut vraiment que je prenne enquête. Mais genre vraiment quoi. Alors, à l'aube d'un combat, c'est peut-être pas le moment de dépenser des points de vide, hein? Non, je ne dépense pas de points de vide. C'est juste que je regrette de ne pas avoir enquête parce que la moitié du temps c'est perception plus enquête et j'ai pas enquête. Shuba, oublie pas que si 11. nous on utilise des points de vide, tu en gagnes. Oui, mais pour l'instant j'ai déjà utilisé des points de vide tout à l'heure. Je pense pas qu'ils aient repoussé. Non, tu les auras le lendemain matin. Et puis en plus, c'est limité à 2 sa Et reprise. deux par combat. C'est pas mal, 2. C'est bien, oui. C'est plus que la moyenne. C'est largement assez. C'est plus Du que ce que coup, t'as les fait gens normaux 11, donc occupent. ok. Alors, c'est parti, mon kiki. Du coup, bah, c'est eux qui attaquent en premier. Du coup, je Ok. fais quelques petits flushs. Donc, ils te touchent sur un. Ils vont faire pas mal d'augmentations. Hein. Ils touchent. Je vise Shiba. Là, il y en a un qui va frapper, Shiba. Du coup. Me touche sur un 24. Non, il était pris par surprise.
Du coup, t'as 5 plus ton armure. Si tu avais ton armure, je considère que t'avais ton armure parce que bah, t'es en tour de garde. Ouais. Voilà, plus différents bonus si tu en as d'autres. Donc, ça ferait combien? Ça fait 5 plus armure, donc ça fait 8. Ok. Donc, non, ça fait 10. Ils font t'as des 5 en année d'armure. C'est 3 de réduction, mais. Ouais, mais par contre, il a peut-être un bonus de son ancêtre. Je sais pas. Je suis en train de regarder, mais je me rappelle pas. Ok, donc du coup, il te touche sur un. Loot votre rang d'intelligence à votre ND d'armure. Si, tout à fait. Voilà, bien ce que je pensais. Donc on touche sur un combien là? Donc mon intelligence est de 3, donc sur un 13. Ok. Ok, donc un 13, il fait 4 augmentations pour faire bien mal. Du coup, ça va te toucher sur un. Donc 13 plus 20, un 34. C'est parti, mon kiki. Ça passe. Du coup, les dégâts vont faire mal. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que j'ai pas sur ma fiche? Une Nagita. Enfin, une lance avec une... C'est combien déjà? 3G2, je dirais. 3G2, katana, merci. Ouais, ok, donc 3G2 plus 4... Le Naginata, c'est ça, hein, c'est 3G2, mais après les autres, ça peut ouais, être... Ouais, c'est la lance, dans l'idée, c'est comme un Yaris, sinon... Le Yaris, c'est 4G2. Non, c'est 2G2, le Yaris, je crois. Bah, je sais pas, moi j'ai 4G... Ah, mais non, j'ai 2 en force, donc ça fait... oui, ouais, mais tu vois, c'est la lance qui avec une lame un peu plus forte. Ah, le Nagitana, c'est normalement une sorte de lance avec une lame de... Oui, c'est ça. Au bout. Ouais, c'est à peu près ça que je pensais. Donc voilà, donc c'est donc 3G2 plus 4, donc 4, 5, 6, 7. Il va dépenser un point de vide. 7, 8, parce ouais, que son école lui permet. Non, c'est seulement. Ah si, c'est tout le monde. Ouais. Donc tu vas regagner. 8G3. Voilà. Voilà, serre les fesses. Oh, c'est pas si pire que ça. Ouais, ça va. Clairement, ça va. Mmh. Donc, tu penses à enlever ta réduction d'armure. Oh putain, j'avais oublié des jetés. Ok. Ah, ok, putain, voilà. Il fait sa deuxième action. Je vais cramer un point de vide. Ouais. Pour réduire de 10. Tu peux en dépenser 2 pour en réduire de 20. Ouais, mais il a une deuxième action, du coup je préfère réduire s'il y a besoin. Ça passe ou pas à 23 la deuxième attaque? Non bah, ok. Il a toutes les augmentations, non? Ouais, ouais, il avait décidé de faire full, donc il a raté pour la deuxième action. Donc pour toi c'est tout. Alors, pour Sento, à ce moment-là, tu vas avoir une personne qui va arriver sur toi, mais tu l'as repéré. Donc il peut pas te prendre en surprise. Genre il était sur un arbre, il est en train de sauter. Mmh. Donc tu as tout ton bonus d'armure, etc. Donc il saute en fait de l'arbre. De l'arbre pour te planter avec, pareil, la même arme. Voilà, ok, 20, ton bonus d'armure, ça passe pas. La première attaque n'est pas passée. Et la deuxième, pareil. Et est-ce que tu veux pas faire un petit plan, vite fait? Si, ouais, j'arrive. Ouf, le deuxième est passé. Je finis juste ce tour-là et je fais un plan. Ok. Du coup, oh, j'avais oublié de rajouter la force tout à l'heure au jet contre Shubo. Voilà pour toi, Aurélie. Descar. Et je vais faire un plan d'attente. Ah, vous m'excusez, hein, je manipule pas encore bien les plans vectoriels, faut que je m'y mette. Donc, en gros, voilà, je vous laisse ouais, hop, pour pouvoir vous récupérer. Hop. Merci. Ça change les permissions pour qu'on puisse bouger nos personnages. Ouais. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pourquoi je suis en double? Ah, là, t'as mis les permissions pour tout, en fait, on peut tout bouger. Juste mettre la permission personnage. Là, du coup, on peut bouger. Il y a quelqu'un qui m'a rajouté, mais du coup, je suis en ouais. double et je ouais, peux pas bouger celui qui est pas moi. C'est celui du haut qui est pas moi.
Ce que tu peux faire aussi, c'est prendre un carré n'importe quoi de couleur sombre, et tu supprimes ce Santo, tu le remets et tu le mets sur le carré. Et après, tu fais un encre entre lui et le carré. Enfin, pas si gros, hein, mais. Ah, désolé, c'est trop tard. Pour qu'il prenne que sa taille. Ah, alors attends. Là, là, là. Donc, tu changes la couleur du personnage et puis c'est réglé. Voilà. Alors tu veux dire ça et le rajouter par-dessus ? Ouais, alors tu prends le personnage que tu as déjà mis, tu l'enlèves, tu le remets, comme ça il sera au-dessus du carré. D'accord. Là il est juste en dessous, voilà, tu le remets et après tu vas juste l'ancrer. Donc tu prends l'outil encre dans la barre d'outils. Ouais. Qui ressemble. Voilà, et tu le mets l'un sur l'autre. Enfin, tu pars de Saito et tu le colles au rectangle. Alors, l'encre, ouais. C'est un peu. Non. Normalement, si tu bouges le rectangle, il va bouger avec Santo. Et donc, d'agrandir un peu le rectangle pour que ça couvre tout le nom, et on verra bien. Ouais. Chaque fois, Saito prendra un truc un poil plus sombre. Ouais, moi je vais peut-être pas perdre trop de temps là-dessus, faut j'apprenne à mieux l'utiliser. Ouais. C'est juste que en me connectant, j'ai oublié de changer. Ok, du coup, hop, vous y êtes tous. Je vais rajouter d'autres personnages. Tu peux changer la couleur de fond, remarque. Hein. Oui. Hop. Hop. Et hop. Hop. Ah. Alors ce jeune là, c'est pas beau. Hein. Ouais. Et voilà, ouais, désolé. Prends des couleurs sombres. Mais enfin, prends ton temps. Hein. Donc, ouais, non, je prépare mes pions. Hein. Donc là, la grue. Tu peux marquer le nom. Hein. Ah oh, oui. Bon, ouais. Grue machin, grue truc, et pas. Tu vas t'y perdre sinon. Tu peux mettre 6 bandits. Ah tiens, c'est toi qui as déjà rajouté Dao? Ouais. T'es en train de le faire, ok. Je fais l'autre. Comment il s'appelle déjà ton Ida, je me rappelle plus comment je l'ai appelé. Ton compagnon. Utaku, je sais plus quoi. Ouais, Utaku, ça me suffit. Pour l'instant, hop. Voilà, Utaku. Et il restait Shotai. Je suis curieux de voir dans quel camp il va être Shotai. Sur cette attaque. Ok, alors du coup, je crois qu'on est bon. Voilà. Alors du coup, on va faire comme ça. Comme ça.
Comme ça. Je pars du principe que vous dormiez pas très loin. Hein. Hop. Ok. Vous étiez un petit peu écarté, Togashi, parce que vous étiez debout. Et le groupe était là, et au milieu, entre Ida et Ikoma, il y avait, un bon petit feu. Ouais. Bon, Shota, il y a un peu l'écart, parce qu'ils sont mauvais. Je pense pas, parce qu'on était plus... Ah oui, pas le feu. Ouais, mais Shota, il est normalement à l'écart, parce qu'il sentait, hein. Lui, il s'est pas lavé depuis des mois. Hein. Donc, voilà. Du coup, tous pelotonnés. Voilà, donc ça, c'est parti. Voilà. Ensuite, donc, premier tour a eu ces petits jets-là. Bien. Alors... C'est tout, en fait. Il y a que, du coup, on a reçu. Bah, pour l'instant, vous en avez repéré deux. Toi, j'ai dit qu'il y en avait six. Oui, Hop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ne les mets pas pour l'instant parce qu'ils sont pas. Voilà. Pour le plan. Donc, du coup, Togashi, tu peux agir encore à ce tour-là. Donc, tu peux faire quelque chose. Et, donc, et je vais c'est commencer à placer les personnages après. C'est tout simplement mon tour, c'est bon. Oui, c'est ton tour. Okay. Il peut hurler attaque en même temps qu'il fait ses deux attaques. Oh, dis-toi que tu es à... Allez, à 3 mètres de Utaku. Dans l'idée, oui. C'est pour ça que tu as pu repérer ces gens-là. C'est bien ce que je pense. Passe quoi là? Je sais pas, moi j'attends que Togashi attaque ou vous se rende. Voilà, alors moi je me rends. Non, je me rends pas. Il ressemble à quoi en fait du coup? Je vais mettre une image. Voilà, on va bien voir. Allez, c'est moi 30 secondes. Voilà à peu près l'idée. D'accord. Ah ouais, d'accord. Bon, ne faites pas attention. C'est pas non, des pyjamas noirs. Non, c'est pas. C'est des bisantos qu'ils utilisent. En même temps, avec un agitana, ça a pas l'air d'être normalement des pyjamas noirs. Ok. Alors, donc, moi, ce que je vais faire, je vais crier attaque et puis je vais faire quelque chose. C'est que je vais. Je vais lancer un flot en toute chose. C'est un 5 kg. Ouais. Et je vais lancer un vide en fait pour un point du vide pour lancer le coup. Alors comme l'a fait suggérer Ikoma, donc c'est des Bisonto et donc c'est du 3G3 pour les autres. Ils sont tous à terre. Hein, bon, les Naginata, c'était du 3G2. Oui, ils sont tous à terre, là. Bah, je vais faire ça, en fait. Du coup, je vais lancer un kilo... un kilo flou en chose sur le sol. En criant... attaque. Ok. Bah, on est attaqué. Même du... Alors... Du coup, tu décris-moi déjà le sort et... Alors, le sort. Et quelles sont les choses que tu dois faire pour pouvoir l'appliquer? Alors, c'est une attaque normale, en fait. C'est une attaque à main nue, en fait. Il est simplement frappé en fait sur le sol.
sur une étendue d'eau ou bien de terre, et tout adversaire en contact avec l'eau ou la terre, selon ce que j'ai touché, situé dans un rayon de 12 mètres, en fait, ressent les effets, en fait, et l'effet est extrêmement visible, donc ils vont le sentir passer. Et ils vont le voir. Et il ressemble à quoi l'effet exactement ? Par contre, alors j'ai deux questions. Un, l'activation déjà, et deux, pour moi, je dois prendre un truc. Si tu me dis, c'est l'ennemi visé, ok, tu me choisis une cible, pas de souci. Dans la porte-coup, dans la zone. Si tu me dis c'est tous tes ennemis, je considère que c'est un peu. C'est-à-dire que même tes potes dans la même zone peuvent être touchés, c'est tout adversaire. Donc toute personne dans la zone. Donc c'est toi qui vois si c'est pas plus précisé. Alors normalement c'est pas plus précisé, c'est là où je pense qu'il faudrait peut-être aller voir la version anglaise, la version américaine. Parce qu'il n'y a pas une. Ouais, et comme j'ai pas le faire ce soir, du coup tu choisis entre les deux. Du coup. Je pense que normalement c'est peut-être toutes personnes visées qui sont en fait dans la zone et du coup après c'est quand même marqué un adversaire donc ouais ce sera une personne que tu vises ça va être plus simple donc, mais par contre où qu'il soit dans la zone voilà, tu tapes le sol voilà donc c'est l'avantage aussi de pouvoir attaquer à distance. J'imagine que. Et genre, quelqu'un qui serait derrière un pote, tu peux l'attaquer sans avoir à le passer ton pote. Mais dans cette condition, c'est pas la meilleure chose à faire. Non, c'est pas la meilleure chose. Ouais, mais c'est ça qui est pratique, du coup. C'est là où il croit que tu vas le taper, et en fait, tu tapes le sol et tu tapes un de ses potes. Et c'est ça. Il peut te taper derrière. C'est cool. C'est un peu ça. Dans tous les cas, fais tes jets, hein, parce que... Ok, du coup, je vais... Le gars, en fait, qui a l'air devant moi, en fait, il a l'air plus balèze que lui. Enfin, du coup, ça me paraît intéressant. C'est un peu ça, en fait, par rapport à l'autre à côté que j'ai fait là, il y a un peu plus... Bon, je sais pas, faudrait leur poser la question. Tu veux passer ton tour à poser la question? Non, ok, on va... On va impressionner. Je vais faire deux choses. Activer en fait mon. Donc ça désactive en fait automatiquement mon tatouage du coup pour activer en fait mon tatouage embrasement. Et puis je vais lui faire un coup de l'étoile filante en martial. C'est un Kyo donc également un point du vide en fait fortement du coup à ce moment-là. Et donc c'est une attaque à main nue également, une attaque avec deux augmentations, vous pouvez voir. Et l'attaque à main nue inflige des dommages normaux, plus des dommages supplémentaires égaux à mon jet d'anneau de peau pure. Et ensuite la cible en fait doit faire un jet d'apposition de feu pour savoir si elle est aveuglée pendant un certain nombre d'heures ou pas. En plus de ça. Ok, bah vas-y, fais, tu me dis, moi je réagirai. Je te fais confiance. Alors, ça voilà. C'était pour toucher ? Oui, c'est pour toucher. Ah, mais il y a des augmentations, non ? Bah, si t'as choisi d'en mettre, oui ou non ? Ah, bah, tu feras au prochain. Il y en avait deux, du coup. Allez, hop ! Ah, bah, t'as les deux obligatoires. Bon, bah. C'est les deux obligatoires. Ok. Alors, eux, ils ont combien ? Ah, oh, c'est une armure de nom. Pop, pop, pop. Ça passe. Ah, bah, avec deux augmentations, par contre. Ah, oui. Oui, c'est. Allez, je te l'accorde, ça passe. Ok. Du coup, c'est bien.
Dégâts normaux, dégâts de feu, j'ai deux positions de feu. Ouais, j'ai deux positions de feu. Ah, j'ai fait pour moi, oh, putain. Bon bah du coup, il est pas aveuglé. Je trouve que tu fais pas beaucoup d'efforts. Ouais. 10, 10, 6, putain, faut le faire. Surtout qu'il pouvait les relancer, les 10, hein. Ah ouais. Bon, bah, sans effet. Un peu pur, quoi. Du coup, les dégâts, donc, si c'est à la main nue, donc c'est 0 garde 1 ou plus avec ton école, et tu as, si ta main de pierre, tu rajoutes encore, plus... Ok, du coup, ouais, bon bah voilà, c'est bien, donc 30 points de dégâts, c'est beau, mais il a mal. Donc il faut rajouter 18. C'est quoi ça? Le premier jet, donc 30 ouais. Dégâts. On t'a perdu au milieu de ta phrase. D'accord, d'accord. Ok. Mais c'est bizarre, il y a des moments je t'entends plus, mais apparemment je suis le seul à pas tout entendre. Non, non, j'essaie de comprendre, ouais. Car il est trop bas son micro, c'est tout. Oui, c'est vrai que son micro est pas... Bien. D'accord, donc tu me dis que ça fait 30 points de dégâts plus 18 plus 7, c'est ça? C'est ça, ouais. À cause de ton Kyo. Kyo plus tatouage. Ok, bon, écoute, on va dire pour pas perdre trop de temps. Hein, par contre, pense à écrire sur ta feuille TG correctement pour que du coup ça puisse être plus fluide et puis je les vérifierai à ce moment-là parce que c'est pas. On va pas perdre non plus, c'est pas. Voilà, sinon on va perdre une heure. Du coup, bah il a très mal. Bon bah, allez hop, tu as transpercé le ventre. Voilà. Mais par contre, ta main est coincée à l'intérieur. Si tu chopes la colonne vertébrale, tu peux en faire une. Il te regarde avec un regard noir. Alors c'est noir, il est... Donc du coup, t'es bloqué pour le reste de l'action. Ah, c'est à ce moment-là que les autres décident d'intervenir. Donc du coup, vous allez vous réveiller. Non, oui, pardon, oui, Shiba, vas-y, agis. C'est gentil, merci. Excuse-moi. Il y a combien de points de vie qui ont été utilisés en tout là? 2. Ah, quelle bonne nouvelle. Oh. Du coup, le monsieur. Je n'ai pas encore la double attaque qui se coule, donc je vais me contenter d'une unique attaque. Donc je vais lui faire le full complète.
Du coup, je vais cramer 2 points de vide. Ah, attends, on est au katana, donc je peux mettre les points de vide... Aux dégâts. Aux dégâts, ouais. C'est plus intéressant de faire aux dégâts, a priori. Non. Allô? Oui, c'est, tu peux le faire. Ouais, vas-y, vas-y. Bah, je vais le faire aux dégâts, alors. Ce que je ferai à ta place, c'est que je ferai un assaut. Ça, tu gagnes 2G1 au toucher et tu dépenses tes points de vide aux dégâts. Ouais, très bonne idée. Toi, tu mais du coup, j'ai un putain de malus tu... en défense le tour d'après, quoi. Ouais, mais si tu prends 3 augmentations et que tu le décapites, c'est bon. Bah écoute, je vais tenter ça. Je vais décapiter en prenant, en faisant un assaut. Donc 2G1 au... Vas-y, vas-y. Ça fait 11G5. Avoir un gros ND, mais enfin ça devrait aller, je crois. Oui, je pense, ouais. Bah écoute, ça me fait 10G5. Donc tu dois faire 3 augmentations pour lui trancher la tête, 25 plus 3, donc plus 15, 15 ça te fait voilà, 40. Ok, j'ai 10G5 pour faire 40. Oh, oh la vache. Je relance pas les 1, par hasard. Si t'as la spécialité, si. Ouais, j'ai la spécialité katana. Prochaine fois, pense à mettre un S, mais bon, allez. Parce qu'on est dans les terres du Phoenix, mais lance-moi les 2G2, enfin 1 plus 1, quoi, 2G2, pour voir si ça remplace tes 3. Ok. Ok. Eh, hey, tu regardes, ça fait 1 point de plus. Ouais, ouais, t'as il fait pas, 24. Il peut pas le relancer son. Il est validé le 1. Merci. Donc, pour du coup, tu. Tu vois, là, derrière son masque, cet individu te sourit de façon narquoise du style « nanananana ». Est-ce que j'ai un bonus en défense à la prochaine attaque parce qu'il est mort de rire? Non, mais lui, je lui donnerai une augmentation gratuite. Mais non, il est mort de rire, il peut pas se concentrer. D'accord. Alors, on verra en prochain. De toute façon, t'as moins de 10 à ton ND, donc tu seras une super cible à toucher, quoi. Donc, ouais. T'es sûr que sérieusement, il a envie de rire avec le mec que je viens de lui exploser le ventre Ah, bah, c'est sûr que le moine fait peur, mais bon, le Shiba fait d'un coup moins peur. Le moine fait peur, mais le Shiba détend l'ambiance. Bon, exactement. Bah, le moine à côté, il est quand même totalement enflammé, il a les yeux rouges, il a les poings enflammés, et il a explosé le ventre de son pote. J'avoue que rigoler, c'est peut-être une chose. Mais bon, ça, il a peut-être pas vu parce qu'il était en train de regarder le Shiba, tu vois. Bon, tu veux dire qu'il était en train de te regarder. On veut passer à la suite. Merci. Du coup, les autres gens se réveillent. Ils sachent pas. C'est donc, pas du plus coup, mal que vous allez, vous allez pouvoir lancer un vos jets d'initiative, hein, dans l'idée. Bon, je décris juste la scène pour les PNJ. Donc, vous voyez, donc, ennemi 17 et ennemi 18 saisir Azaina et l'emmener le plus loin possible. Ennemi 16 saisit le moine et l'emmène le plus loin possible. Et ennemi 15, par contre, arrive et va attaquer Doji, dans l'idée. Voilà. Va l'attaquer à ce moment-là. Voilà. Et donc, là, vous pouvez lancer votre initiative, Ida, Ikoma, entre autres. Attends, ils essaient d'enlever Pouf. Avec un bisotage. Ok. D'accord. On prend une initiative. Ok, nickel. Ok. Bon bah du coup je c'est bien. Bon bah Ikoma, c'est toi qui commence. Ouais. Est-ce que je peux faire un assaut sur ennemi 17? Oui. Ok, bah c'est ce que je vais faire. Faire deux attaques dans les dents et puis on en parlera plus. Suivant, je fais ma deuxième attaque. Tac, alors. En action gratuite, je demande à Dao d'aller aider Doji. Ok, donc il va remonter comme ça? Et moi je trace sur ennemi 17. Alors du coup, mon jet d'attaque. Ok, je touche. Vas-y, fais les dégâts.
Tu le touches sur un 25. Hein. Ah vache, 25 à 1G. C'est les dégâts 66 ? Non, c'est... C'est pas le concepteur du jeu pour rien. Hein. Ok, 28. Okay. Je vais prendre des augmentations, là, du coup, ma deuxième attaque. Il a 25. Je vais en prendre 2. Allez. Quoi qu'une, ça suffit. Pas de bêtises. Non, parce que là, je vais être à ça. Ouais, allez, j'en prends 25. Ça passe. Ça passe. Ok. Là je fais ...27, voilà. Ok. Il est toujours 27, en vie. En dommage. Ouais. Il est toujours en vie. Mais du coup il va lâcher Azaina et il va t'attaquer. Je laisse monter ton personnage. Du coup c'est à eux d'agir. Ensuite... Je fais un jet commun pour eux. Tu sur le moins 2 là. Oui, oui, moins 2, bah, il va partir. Tu avais fait combien? Il va partir ou bien il... Oui, bah, il va mourir. Attends, Togashi, tu avais fait combien ton jet d'initiative? 22. D'accord. Ouais, d'accord. Donc, du coup, c'est à eux. Donc, vous entendez le moine crier au secours, on m'enlève, au secours, samouraï, sama. Voilà. Aizaina qui est un peu en mode je viens de me réveiller, qu'est-ce qui se passe? Doji n'écoutant que son courage fonce. Fait un assaut sur Aizaina. Et du coup va essayer d'attaquer le 17. Bah, il veut pas attaquer le 18 non? Parce que moi j'étais déjà sur le 17 en fait. Oui, c'est vrai que le 18 est en train de la tenir. Le 18 est en train de l'emporter alors encore. Oui. Il va attaquer. Je fais juste son jet d'attaque. Ah, il touche quand même. Bon, bah, il touche. N'écoutant que son courage. Il dépense un point de vide dans les dégâts. Bah, c'est bien. Ouh, la vache. Bah, sympa. Sympa. Ah, il fait bien mal au 18. Voilà, bon, c'est fini pour lui. Ah, bah, Touché, il peut être utile quand il est motivé, alors. Je vais dire qu'il est fatigué, motivé par l'avant. Il a qu'une seule attaque, le Doji. Oui. C'est pas censé être un combattant en même temps. C'est déjà bien qu'il ait une attaque, quoi. Ouais. Ah bah. Non. Je suis curieux de savoir son école, en fait, parce que... Il est en 3, comme vous ? Ah ah ! S'il est en 3, c'est soit un magistrat d'Oji, soit un Kakita. Voilà. Ouais, peut-être un Kakita. Vu son niveau en yaï, il est tout pourri donc. Oui. Du coup, je continue. Alors, paf. Elle a peut-être des talons cachés. Des étalons cachés. Ok. Ida, tu vas pouvoir jouer. Togashi d'abord, ensuite Ida. Alors, il restait assis. Ouais. L'ennemi 15. Qui a l'air. Aussi, il va taper Dao, l'ennemi 15. Il va lui faire regretter les. Ça passe. C'est Dao qui attaque là ou c'est... Là c'est l'ennemi 15 qui attaque Dao. Elle vient de prendre 26 points de dégâts, deuxième attaque. Là il décide de faire deux augmentations. Ah, raté. Du coup, Togashi Sento. Oui, j'ai 3-15, c'est un pur jet de merde. Ouais. Alors, je vais... Shiba, ça va aller... C'est un jet. Je vais aller aider, en fait... Je vais aller aider, en fait, Dao, en fait, éliminer l'ennemi numéro 15, en fait. Bah vas-y. Je vais me déplacer et puis aller vers lui. Ah. Si tu fais une charge, oui.
Ouais, un sort de truc comme ça. Donc du coup tu fais une charge, donc t'es en deux, tu fais 2 G1 et tu t'as 2 G1 en plus à ton jet d'attaque. Voilà. Ok, donc c'est touché pour Togashi. Vas-y, fais les dégâts. Il est pas mort, ok. Ils ressemblent un peu tous au même. Ah putain, je parle de Shiba. C'est Shiba en fait. C'est Shiba en initiative ou Ida. Ida moi, 16. 16, ok, donc t'as 22, je crois, Shiba. Ok, vas-y Shiba, donc du coup tu es en face du terrible numéro 3. L'inarrêtable. Est-ce que quelqu'un a cramé des... Bah non, de toute façon je suis... Là, je suis non mais t'es full, hein. c'est bon. Ah, j'ai déjà tout consommé. Du coup, je vais faire une attaque normale sans les 3 augmentations pour découper la tête. Moi je suis... Ouais, et du coup, je fais 9G4 à l'attaque GS4. 50! Vas-y, passe! Putain, j'aurais dû prendre ces augmentations à la con. Oui. du coup, par contre, je crame 2 points de vide pour augmenter les dégâts. Oui, vas-y. Il va lui faire regretter son tir. Et du coup, c'est 1 G1 par point de vide, c'est combien? Ouais, donc du coup, ça te fait du 2 G2. Donc tu as ta force, plus ton arme, plus 2 G2. 8 G4. Oh, c'est cool. 29! C'est tellement pourri. Ok. Tu l'avais pas touché, hein, je crois, celui-là encore. Si, si, il était mort de rire, je crois qu'il s'est coupé en pliant en deux pour rire. Ah voilà, c'est ça. Non, c'est ok. Pas ça. D'accord. Du coup, oui, ils ont initiative avant tout le monde. Du coup, je vais il va te taper aussi le. Parce que j'ai oublié de le jouer, je crois. Non, je l'ai joué ou pas celui-là. Je n'ai pas reçu d'attaque ce tour-ci. Ah, du coup, bah, écoute, je vais le faire puisque t'as fini ton attaque. Du coup, il va taper. Donc, ton touché sur un 5. Il me touche à 25, sachant que j'ai moins 10 vu que j'étais en assaut, oui. Ouais, c'est ça, il te touche sur un 15. C'est ça. Ok. Allez, il se fait plaisir, il fait 3 augmentations. Ah, raté. mais c'est quoi ses amis? Bon, là, il va dépenser, il fait 2 augmentations. Je fais 18 avec 2 G2, moi. Ah, voilà, les 2 augmentations sont passées. Par contre, il a claqué son point de vide dans ses dégâts, parce qu'il aime ça. Du coup, ça lui fait 3 G3, plus sa force, plus 1 G1. Le 48, il est pas bizarre. 48, c'était pour me toucher. Ah oui. Ah, merci, oui. Je pense que c'est le petit 2 qui a fait que... Ouais. C'est bizarre. Alors attends, ça fait quoi? 13, plus 6, 6, 6... De toute façon, c'était sur du 15, donc ça passe. Ah oui, mais attends, avec 2 augmentations, c'était du 25, donc 12, 25. Ah, oh, c'est bon, plus 3, pile poil. Merci, merci, Captain. 8G4 pour les dégâts. Voilà. Oh, je peux pas cramer le point de vide.
Là, maintenant, Eri. Je vais lui défoncer sa mère. Comment tu pensais que ça allait aller, tu vois? En même temps, tu laisses un samouraï alors que tu vas protéger un renin. Non, mais quelle idée. Ouais, je pense que je vais te couper en deux après. À toi, Ida. Protège les arrières. Moi, j'envoie Utaku et les... peut-être pas Doji, plutôt Shiba. Ok. Bon, tu vois qu'il y va d'un pas, svelte. Je lui pèterai les dents après. Non, mais il y va quand même sérieusement et rapide. Et moi, je fonce sur l'ennemi 16 pour essayer de sauver le moignon. Ok, donc tu me fais un jet de... non, pas un jet, je considère que t'as ta charge, c'est bon. Vas-y. Ok, donc j'utilise la technique de rang 1, c'est la rage berserk. Okay. Ouais. D'accord, fais-toi plaisir. Il touche sur un 25. Bah écoute, je vais prendre 3 augmentations pour essayer de lui découper la tête avec le Tetsubo, voir si ça marche. D'accord. Soyons fous. Si ça marche, tu seras éclaboussé. C'est un grand S ou un petit S déjà, je sais plus. Alors déjà, pour toucher, c'est avec un grand S parce que t'as la spécialité. Après, si vous voulez, je peux faire un duplicata de la commande et mettre un petit S. Hein. Ça passe, fais les dégâts. Bah, en même temps, 10G10, ouais. Oui. Il a moins 6 d'encaissement, quoi. Dao est mort. Dao, il est blessé. Ok, du coup, numéro 16, ouais, clairement. Il est pas totalement mort, mais tu as écrasé la gueule assez fortement. Il est en train de vomir du sang par terre. Ouais, il est. Ah, j'ai pas réussi à le décapiter. Non, il est pas totalement décapité. T'aurais fait un 50, je l'aurais décapité. Là, tu as moitié arraché le visage et la gueule. La mâchoire est en train de fourdouiller. Ouais, c'est ça. Là. Clairement, t'as du sang sur tes bottes. Hein. Il respire son sang, le mec. Là, il est pas que hébété. T'avais pensé au 2G1 d'attaque ? De la charge ? Ouais. Non. Okay. Ah bon c'est à Utaku de frapper. Je vais lancer son jet. Il y va avec une certaine rage. Hein. On sent le côté j'ai pris mon katana et je vais défoncer du poney. Et là, il y a 2G1 pour changer d'avis. Il veut se faire jeter de son clan ou quoi là? Non, mais il a dit qu'il avait défoncé un poney par un cheval. Il a même claqué un point de vide. Quel dommage que ça soit limité à 2 par... ça passe. Du coup, il fait ses dégâts. Le 31, il est bon. Ouh, il le blesse salement. Attends, quand j'ai fait ça tout à l'heure, c'est à peine si t'as dit qu'il était blessé, quoi. Oui, mais maintenant, vu que c'est un autre, il peut. Et il l'a achevé. Non, il est pas achevé, non, il est toujours là. Mais là, il s'est pris un coup. Prochain tour. Oui, c'est Et ça, mais c'est pas son premier coup. Ouais, je trouve qu'il y a un manque cruel de reconnaissance pour mes efforts dans ce combat. Bah, du coup, c'est à Ida. Ikoma, excusez-moi. Et Azaina, en fait, elle fait quelque chose ou pas? Ou elle est juste dans les... Elle se recouche. Ah non, mais je suis d'accord, je posais juste la question si tout à coup, elle ferait pas... Un petit caméra, ça serait pas mal. Pour se délier, tu vois. C'est encore bien, c'est un niveau 5 dans la commune. C'est un combat équilibré.
Oui. Du coup, je parlais dans le vide. Du coup, c'était Ikoma. Au prochain tour, Ikoma. Bah, rebelote, hein. Vas-y, vas-y. Oh, je touche. Du coup. Je prends deux augmentations cette fois. Suivant. Faut savoir que ennemi 17, il s'est pris trois fois presque 30 points de dégâts. Mais c'est quoi ces caractères de ouf? C'est sûrement des samouraïs de rang 3. Ok, alors je parlais dans le vide. C'est bon pour toi, Ikoma, du coup? Oui, oui. Ok. Du coup, c'est aux ennemis et run away! Donc, ils partent le plus loin possible. On n'a pas une attaque d'opportunité parce qu'ils se retournent? Non. Et par contre, vous avez votre initiative. Vous pouvez leur décider de courir après dans les bois. Dans la nuit. Pendant... Parce qu'ils partent évidemment dans des coins différents à chacun. Durant la nuit. Ils sont nus sur leurs vêtements, oui. Bah, y a pas quelqu'un qui est capable de leur montrer, enfin de les attaquer, parce que moi personnellement je suis pas en état. Pas en état, Shiba ? Non. Ok, du coup, réagissez vite. Pardon. Y en a qui s'enfuient dans la forêt ou ils sont. Oui, dans la forêt, oui, un peu partout. Ok. Le mien s'est pris 84 points de vie. Il est mort le 17 ou pas? 84 points de vie? Ouais, bah c'est ce que je lui ai mis, ouais. Mais pourquoi? Comment? Bah, en 3 attaques, je lui ai mis 84 points de vie. Ouais. Moi, j'en ai pris 28 en 2 attaques. Du coup, MJ? Mort 17? Ah merde, mon micro est coupé, désolé. Je disais que oui, il était mort, oui, bien mort. Ah, ça va. Alors. Désolé. Hein. Moi je récupère Azaina et je demande à Doji de courir après. Non, je blague. Fais-moi ton jet de courtisan, vas-y. En tous les cas, je récupère Azaina et puis je sais pas ce que fait Doji, mais. Parce que je vais pas m'interposer. Il est en mode garde du corps sur Azaina, surveillance pour voir s'il n'y a pas une attaque de coup de flèche ou autre chose. Et comment va Dao? Dao, il est quand même blessé. Hein. Il a plus de 20 points de dégâts. On va dire qu'il a pris un coup de Bicento sur le ventre. Et du coup, quoi, il est. Heureusement qu'on a une soyeuse avec nous. Moi, je me pose en mode repos. Ouais. Shiba, par contre, est salement blessé. Vous voyez que le Utaku qui a commencé un petit peu à courir, puis après il s'est arrêté. Il a poursuivi un petit peu. Mais il a poursuivi en criant comme un dératé. Puis bon, après avoir fait 10 mètres, il s'est arrêté. Il a fait son effort quotidien, quoi. Voilà. Vous voyez qu'il revient tranquillement. Je me disais que j'avais peut-être essayé de flécher le mec qui m'a attaqué, mais avec mon 20 à toutes mes attaques. Le numéro 16, il bouge encore ou... Non, il est en train de... Il est mort. Hein. Il avait des convulsions, c'est tout. Je pense qu'il a dû mourir noyé. Du coup, je fonce sur le 15 pour essayer de le rattraper. Alors, tu peux foncer, il court très vite. Du coup, là, ça sera un jet de poursuite. Et du coup, dans la forêt, tout seul. Oui, clairement. Athlétisme plus, ça va être agilité. Parce que c'est le but est de se faufiler entre les arbres. Donc on est d'accord, ils nous ont attaqué pendant qu'on était à l'extérieur de la forêt. On a rajouté 0. Oui. Non mais la forêt, eux ils filent vers la forêt 18 et 3, et 15 ils remontent la montagne. Ah. Merci, donc ça sera un jet de force pour le 15, oui. Du coup, t'as fait 26, je fais pour lui. Ah, pour l'instant, il distance.
Eh ben, je lui colle aux fesses. Il est en train de te distancer. Est-ce que tu continues à le poursuivre? Ah ouais, carrément. Ok. Donc, vous voyez Ida qui poursuit Ennemi 15 de plus en plus loin du campement. Voilà. Ikoma, toi, tu fais quoi, du coup? Tu restais à côté d'Azeina? Ouais. Pas du tout. Ok. Ouais, bah, je vais organiser le campement, récupérer tous ceux qui sont blessés. On retranche et puis on. Quoi? Moi, okay. Il y a une question que je me pose, c'est leurs habits. Il y a des marquages identifiables dessus? Si tu les fouilles, tu devrais peut-être... Non, là, tu ne trouves rien sur eux, là. On n'a pas un état capable de fouiller dans la répartie sanguinolente? Non? Non, t'as pas un état avec toi. T'as pas un état de compagnie. Ok, t'as jamais. Du coup, je fais faire Ida. Donc Ida, tu continues à poursuivre. Tu me refais un G. Je vais lui refaire un G. Ouf. Ok. Là, tu commences à le rattraper. Prochain G, c'est soit tu le chopes, soit il s'enfuit. Ok. Ok. Et ce sera bon. J'ai utilisé un point de vide. Ouais. Ah, je parle dans le vide, ça m'énerve. Je disais que tu l'avais rattrapé, qu'il était en train de reprendre l'arme à la main, mais... Ça va pas être long. C'est beau et c'est réglé. Hein. Ok, tu fais une charge, du coup, pour l'avoir? Oui, c'est possible. Vas-y. Je prends des augmentations pour essayer de lui... il fait plus de dégâts, quoi. Donc, je prends trois augmentations. Ouais. Alors, lui, il se met en esquive, du coup. Donc, tu le touches sur un... Allez, 35. Punaise, ça passe. 93. Vas-y. Fais des dégâts, vas-y. Du coup, du 13G4 plus 4, ça fait du 17G4. Ça fait quoi? Ça fait du 10G10, non? Alors, 13G4, c'est ça? 13G4, ouais. Ça fait plus 4. G5. Et plus 4? Plus 4, plus 4, c'est plus 4, non? Ouais, plus 4, c'est plus 4, ou plus 4D, c'est ça, je... Ouais, plus 4D, quoi. Ah, plus 4D! Ça fait du 17. Ah, ça fait 17G4, alors. Ça fait 17G4, et du coup, ça fait du 10G7. Ouais, tous les deux au-dessus, ça te fait un dégardé en plus. Et puis voilà, sinon. Et si t'avais 10G10, en fait. Après c'est plus 1 ou plus 2, je crois que c'est plus 2 par dé supplémentaire. Par dégardé supplémentaire. Ouais, par dégardé supplémentaire. Mais du coup, il y a un truc qui déconne dans ta commande. Parce que le S majuscule n'a pas été transformé. Ou ça veut dire qu'il n'est pas dans tes alias, quoi. Attends, je vérifie. Ah non, j'ai mis un minuscule, en fait. Ouais, je corrigerai après. Vas-y, bon, c'est pas grave. Fais les dégâts, mais quoi, tu corrigeras après, par contre. Ouais. Tu sais, de relancer ton 1 n'était peut-être pas nécessaire vu le reste du G. Ok, donc lui, tu viens de... Son encaissement. Ouais, tu viens de le buter à ce moment-là.
Mais à ce même moment, deux de ses compagnons que tu n'avais pas vus, parce que voilà, décident de t'attaquer en même temps, pendant que au même tour. Du coup, ils te touchent sur, évidemment, ta charge avec un moins 10. Donc c'est combien pour te toucher ? 20. Parle non, non pas, Emily. Allô ? Oui, je disais que il est, Captain a fait une AFK, j'ai pas compris. Non, non, t'as pas entendu. Okay. Ah oui, donc oui, c'est combien du coup ton ND d'armure ? 20. 20 avec le moins 10 ? Ouais. Ok. Bah du coup, ils te frappent tous les deux avec deux augmentations. Ils visent du 30. Ok, le premier passe. Donc 4, 5, 6, 7, plus un point de vie, donc... 8, j'ai 4 pour les dégâts. Ok, donc 22, première attaque, 22 dégâts, deuxième attaque. Hop, pareil avec deux augmentations aussi, du coup il faut du 30. Raté, le deuxième attaquant, pareil. Ok, le premier, le deuxième encore touché, donc avec un point d'augmentation aussi. Voilà, ça c'est pour l'attaque et son attaque. Voilà, pareil, deux augmentations. Ah, raté cette fois. Donc du coup, t'as pris 34 et 22. Et 34 aussi. Oh, non, et 22. Je sais plus. Pense à mettre les réductions. Et voilà. T'as, point de vie, ouais. T'as combien de points de vie du coup encore ? Moi, je suis en légèrement blessé. J'adore le concept, tu t'es pris 50 points de dégâts et t'es en légèrement blessé. Ah, faut pas poursuivre hein, les gens dans le... tout seul. Faut voir pas trop de films d'horreur. Bah du coup on fait la suite du combat ou... Oui, par contre je veux savoir t'as combien de points de vie, j'ai pas entendu. Ah là je suis en... bah moi j'en ai 95 au total. Et là je suis à 45. Ah, je parle dans le vide encore. Je disais, vas-y, hein, tu peux jouer. Hein. Vas-y. Ah, c'est moi qui ai l'initiative sur eux ? Ouais. Genre, je vais pas lancer le jeu, ça sert à rien. Après, si tu commences à être blessé qui sont deux, c'est peut-être le moment d'aller voir ailleurs si tu es, quoi. Ce serait dommage de mourir. Ouais, du coup, j'essaie de... Sûr, hein, tu me dis. Sûr, hein. Tu te bats ? Réfléchissons, ils peuvent me poursuivre facilement. Bah, du coup, ouais. Bah, après, s'ils savent que tu vas vers ton campement, ils savent qu'il y a du monde. Et, là, t'es tout seul à deux, ils ont leur chance. Avec tous les autres, beaucoup moins. Et puis, plus tu vas arriver vers tes potes, plus tu pourras crier pour qu'ils t'entendent. Et visiblement, tu cours vite. Bon bah je retourne vers le campement alors. Ok, donc du coup ils décident pas de poursuivre et tu vois qu'ils ramassent les restes de leurs potes et ils se barrent. Voilà. Ok, donc cette forêt, on va devoir faire une mission expéditive, une expédition punitive à l'intérieur pour se débarrasser de ces bandits qui visiblement les infestent. Mm.
Donc du coup, vous faites quoi dans le campement? Vous vous soignez? Vous recouchez? Moi, je me soigne, je me repose et je ne prends plus de tour de garde. D'ailleurs, j'ai fini mon tour de garde. Et même s'il n'est pas fini, je considère que j'ai assez donné de ma personne pour la journée. Azaina te fait des sorts de soins. Oh, c'est cool. Merci, Azaina Sama. Moi, je vais soigner Daou. Ok. Il a l'air pas mal à ma chère. Bon, bah, vous me dites, tu me dis combien de points de vie tu les remets? Ah, c'est via le Kyo, donc du coup, c'est un round, en fait, c'est des rounds. Pendant le temps tour, donc 4-4-4-4. Ok, d'accord. Bon, bah, il récupère bien. T'as perdu combien de points de vie, Shiba? Pas beaucoup, hein, pas beaucoup, la majorité. 41. Ok, bah, tu en récupères 20. Oh, c'est cool. Voilà. Et en 20 points, je passe de plus 20 à plus 3. Il y a un avantage, non, qui augmente les écarts entre les niveaux de malus. Ah, ça diminue, oui, les malus, en fait. Ouais. C'est un truc pour vous chier. Bon, après, j'ai pas fait G parce que t'as l'avantage de l'école Shiba qui permet de diminuer la difficulté d'un jet de magie sur toi, du coup. Ouais. Voilà. J'ai pensé que tu y aurais pensé, alors coup, je l'ai ajouté. Après l'avoir fait sur c'est gentil de penser pour moi. J'aime quand tu fais ça. Et accessoirement, je médite, hein, pendant les soins, tout ça. Enfin, je vais faire un peu, ouais, de tu peux pas, de tu peux, ouais, ouais. Ah, tu peux pas vraiment, mais tu peux faire bon, après, de toute façon, je vais faire de la méditation pour me reposer un peu. Enfin, non, je vais pas méditer, je vais dormir. Parce que alors, on est au milieu de la nuit quand même. Du coup, ouais, non, je vais dormir carrément. Si mes camarades sont d'accord, Saburai Sama, je crois que je vais me reposer. Pardon ? Oui, on a deux cadavres à fouiller si tu te sens de jouer avec la viande froide. Par contre, Mouan Sama, faites attention. Enfin, je vais pas dire de faire attention, mais. Ne craignez-vous pas les risques de souillure en manipulant des corps? Non, mais je vais juste regarder. Ah, pardon. J'ai pas plongé les mains. Vous demandez à Shotai de bouger des corps, de faire des choses? Ou à Dao? Moi, je demande à Zaina de tout cramer, ouais. Oui, elle va le faire. À faire apparaître un peu un feu sur des branches, et puis du coup, vous pourrez aller cramer après les gens un peu plus facilement. Je ne reconnais pas ces équipements. Je ne sais pas de quel clan viennent ou de quelle organisation viennent ces gens. Bah, moi, je vais bien faire un feu. En tout cas, moi, je reviens et je signale tout le monde qu'ils sont nombreux et de planquer autour, quoi. Alors, tu veux faire quoi exactement? Ouais, tu. Alors. Donc, tu veux faire un jet, c'est ça, Beskar? Oui. Bah, vas-y. Vas-y, vas-y. Je peux pas faire un jet du Shio, en fait, parce que du Shio, de toute façon, il est. Non, ils sont morts, hein. Mort, donc, du coup, Le cadavre n'a pas d'honneur. Ok, du coup, pendant ce temps que tu fais ton jet, Ikoma, Ida, vous faites quelque chose? Quelqu'un essaye de soigner Ida? Azaina va te soigner. Hein, Ouais. Bah, comme dit, moi je préviens les autres qu'il y en a encore toute une flippée autour. Hein. Il n'y a pas que les cyclampins qui nous ont attaqués. Vu que j'en ai croisé d'autres en poursuivant le 15. C'est une très bonne information à partager au groupe. Hein, bah, bien entendu, je vais soigner un maximum de gens. Je pense qu'il serait pas idiot de commencer l'évacuation, en fait, parce que s'ils reviennent tout le temps, ça risque d'être compliqué. Si en effet s'ils ont des troupes fraîches aptes à combattre, nos chances sont plus que limitées, parce que nous ne pourrons qu'encaisser des blessures supplémentaires qui leur donneront des avantages qui à terme seront vite éliminatoires. «
je crains que nous n'ayons le choix que de marcher de nuit. Du coup, vous rentrez. Ça dit, c'est... Ok. Jean expliquerait ce qui est arrivé à... aux patrouilles. Probable. En tout cas, cela explique la zone de combat que nous avons repérée avec la patrouille des cimes. Du coup, vous êtes parti ? Ouais. Vous restez ? Oui, on part. Ok. Il y a combien de marches de là où on est au campement de l'armée ? En marchant bien, vous en avez pour 5 heures. Ah ouais, c'est genre juste à côté en fait. Ouais, c'est pas très très loin, mais c'est juste que... c'est parce que vous connaissez la route. Avant, vous la connaissez pas, vous avancez à tâtons. Là, vous tracez la route, pour ça, en marchant bien... Il y a de fortes chances que les mecs qui nous ont attaqués soient au courant que l'armée est proche. Sûrement, oui. Soit, ils vont se barrer quand on va revenir, hein. Revenir avec les moyens. Soit ils cherchent un affrontement. Soit ils cherchent l'affrontement. S'ils cherchent l'affrontement, cela voudrait dire qu'ils ont les moyens. Ouais, ils cherchent l'affrontement. De mener cet affrontement. Non, ça veut dire qu'ils sont assez stupides pour croire qu'ils ont les moyens. Ils ont l'avantage. Ils peuvent protéger leur père aussi, simplement. Ils ont l'avantage du terrain et de la méthode. Ils attaquent de nuit avec des équipements qui leur permettent d'être discrets. Face à une armée entière, cela ne marchera certainement de nuit pas en aussi avec... Ouais, cela ne marchera pas avec autant d'efficacité, ouais, je pense, mais ils peuvent faire des dégâts notables. Leur couardise n'est pas à l'égal de l'honneur des légionnaires de l'armée impériale. Bien sûr, non. Du coup, vous vous enfoncez vers les ruines ou vous rebroussez chemin ? Ah non, on rebrousse chemin. On a trop morflé, enfin... Ouais, enfin, ça fait quand même vachement scénario que Toulouse, hein. S'enfoncer de nuit dans des ruines... Non. Sur une échelle de 0 à pas bonne idée, bah c'est une pas bonne idée, tu vois. Donc, Je pense qu'on a pas bonne idée au carré, en fait. Ah là là. Votre manque de foi est consternant. Ayez confiance en votre honneur. Ok. Ah, moi j'ai confiance au mien, mais j'ai pas confiance à l'honneur des autres. J'ai un problème. Hey, je suis presque plus d'honneur que toi. Non, même pas. Même pas en rêve. Hein. Bon, du coup. T'as presque autant, mais t'en as pas plus. Alors, donc vous rentrez en marche forcée, c'est bon pour toi, Ida, aussi ? Oui, sans problème. Togashi aussi ? Togashi ? Non ? Bon, ok. Du coup, vous repartez. Voilà. T'as Shotai qui te remercie énormément, hein, Ida, Konyu, hein, il est très impressionné par le fait que tu aies sauvé la vie d'un misérable moine. Ce que je fais, je le casse ou je le casse pas? Vous étiez le dernier à sauver. Toi, tu cherches la merde. Techniquement, c'est moi, j'ai respecté l'ordre céleste. Je suis allé sauver la personne la plus haute dans le statut, c'est-à-dire la samouraï. Et qui a une connexion avec les Kami. Et encore plus précieuse que nous. Hein, mais... Donc du coup, vous arrivez à rentrer à la base sans aucun problème, aucun souci. All your base are belonging to us. Oh mon dieu. Ouais. Voilà, vous décidez d'aller vous coucher ou... Faire un rapport peut-être d'abord. Moi ouais, je vais voir la générale en urgence, ouais. Ouais. Je pense que la première chose à faire c'est un rapport mal, ouais. Pour prévenir de ce qui se passe, quoi. Ok, bon bah. Par contre, je vais chercher Shiba. Pas Shiba. Izawa Toga. Ok, alors. Je pense que là, vu l'endroit où on est, il faut qu'il y ait un responsable Phoenix qui parle.
Alors comment, vous me dites la scène, là, vous arrivez dans le campement plus ou moins, Shotai vous le laissez à l'entrée, vous le amenez avec vous. On le laisse à des gardes. D'accord. Des gardes de votre légion, des gardes de, de l'armée en général. Notre légion. Moi je serais allé le donner à Fulo. Ok, d'accord. Enfin, genre, on l'assoit à côté de cette légion-là, là, et on donne, okay. On donne l'indication à, je sais pas, un Shugenja qui traîne, ou un moine qui traîne, de garder un œil sur lui, quoi. Voilà. D'accord, ok. Du coup, vous y allez tous, ou vous laissez quelques-uns derrière, ou vous prenez aussi Dao Moi, je vais chercher Izawa Toga sur le chemin, et Et je vais aller voir la générale. Je pense qu'Izawa Toga a raté sa vocation. Hein. Ça fait trop nom de tennisman. Hein, mais... ouais. Du coup. moi, je serais plutôt enclin à aller directement voir la générale et seul. De Lyon à Lyon, quoi. J'ai besoin de savoir le timing, hein, l'ordre. Donc. Moi, je vais y aller en premier. Hein. Clairement. Ok, enfin, donc toi tu fonces. Okay. Je pose l'autre con là-bas, je vais lui parler en premier pour qu'elle ait les infos en première et qu'elle sache déjà qu'elle puisse réfléchir. Après, je lui dirai que Izawa Toga a été consulté aussi parce que c'est par le Phénix et que je pense que la décision reviendra, enfin devra être prise entre les deux, hein, mais au moins elle est l'indication qu'il sera au courant aussi et que voilà. Il risque d'être mis à l'affaire, quoi. Ça va vachement vous plaire. Dans tous les cas, moi je préconise que le clan du Phénix envoie des gens sur place et éradique la chose. Ou qu'il délègue à la Légion de le faire, et dans ce cas, on y retourne avec un petit contingent. Ça va se jouer en RP. Du coup, Shiba, toi tu accompagnes aussi le moine ou tu as lâché le moine à Ikoma et t'es allé voir direct Izawa Toga? Non, moi j'ai lâché le moine et j'ai été voir direct Izawa Toga parce que... Donc tu n'as pas accompagné le moine comme Ikoma, t'es allé voir direct Izawa, c'est ça? Ouais. Ok. Donc du coup, je fais la discussion de Shiba avec Izawa, mais elle va avoir lieu plus ou moins au même moment, je vais faire après Ikoma. Qui accompagne Ikoma, pour savoir, ou s'il y en avait deux des gens qui accompagnaient Shiba, juste pour que je sache? Faut après, moi je vais accompagner ta Ikoma. Ok. Moi, je vais l'accompagner Shiba. Le moine, du coup, il est envoyé où? Le moine, il est envoyé avec la compagnie des théologiens, des prêtres et des Shugenja. D'accord, ok. Moi, je vais suivre Shiba. Ok. Utaku et Dao, vous en faites quoi? Bah, Dao, il va venir avec moi. Éventuellement, s'il est trop blessé, il peut aller se soigner, sinon il reste à mes côtés. Il restera devant la tente, quoi. Ouais, devant la tente, c'est pour savoir, c'est juste savoir ce qui est rentré. Utaku, tu le fais rentrer dans la tente ou tu le fais attendre dehors? Tu le rends chez lui? Je le fais attendre dehors, tranquillement. Ok. Et pour Doji et Azaina, vous les faites rentrer dans la tente ou vous les renvoyez, qu'ils aillent se pelotonner la nuit Ouais, je pense plutôt cette solution. Ouais, bah ouais. Qu'ils Ou qu'ils aillent préparer quelque chose. Enfin. Ils ont une grande prévision. C'est dommage qu'ils prennent des risques si jamais la compétition dérape. Eux, sinon, ils vont suivre les ordres. Hein. Ils vont aller se présenter à leur supérieur. Hein. Donc, c'est-à-dire le général ou leur Taïssa. Pas ce qu'ils ont à faire auprès de leur supérieur et qu'ils proposent parce que je pense que. Il n'est pas impossible que nous repartions très rapidement et que on aura besoin d'eux. Donc Azaina va aller voir Fulo et Doji va aller voir le Taïsa Hidekage. Ça vous va? Ça va. Doji a proposé d'aller voir Hidekage pour lui dire ce qui s'est passé. Ok. Du coup, Shiba, t'arrives près de la tente d'Izawa Toga, on te regarde, bon, on te laisse passer, puis par contre, on regarde le moine Togashi Sento, et là, les Yojimbo Phoenix lui font comprendre, et à toi aussi, que qui c'est, et pourquoi il rentre. T'as plutôt un blanc-seing, hein, tu peux rentrer un peu facilement, sans qu'à te présenter, enfin, sauf s'il est occupé, mais s'il n'est pas présenté,
Je veux dire, vu que t'arrives en mode un peu, genre il est 2h du matin. Il est 2h du mat, j'ai encore du sang vaguement séché sur moi. Voilà, du coup on pose pas trop de questions, t'es quand même quelqu'un d'important pour lui. Par contre le moine... Il est pas bon de poser une question là tout de suite. Ouais, mais le moine par contre là ils vont pas le laisser rentrer. De base, alors, il te regarde du style, vous voulez qu'on vire le clodo? Pour confirmation, Isawa Toga nous a été affecté à la Légion. Ah oui, non, mais il est commandant de la Légion. Il est commandant de la Légion. Ce moine et Isawa Toga, il est commandant de la 13e Légion. Il est le nouveau commandant de la 13e Légion suite à la mort de Bayushi Mito. Officiellement, alors il y a deux choses. Un, tu sais pas si Bayushi est mort, et deux, oui, il n'est pas Shui, hein, il n'est pas lieutenant. Il n'a pas de grade officiel pour l'instant. C'est un troufion. Il est même pas troufion, en fin de Cet homme est affecté à la 13e Légion et ma compagne. C'est le cuisinier de la 13e Légion. Pour l'instant, c'est plus le cuistot. C'est comme dans piège en haute mer. Ouais, c'est piège en haute mer. Non, et ma compagne en tant que témoin. Parce qu'après tout, il les a repérés, il savait combien ils étaient, et donc il y a peut-être des informations en plus. Bref. Ok, bon, bah tu vois que par contre, ils font un petit signe, tu as des gardes qui arrivent, et les deux t'accompagnent à l'intérieur de la tente, hein, parce que t'es quand même du sang sur toi. Lui, il en a aussi sur la gueule, le Togashi, hein, il a quand même trempé toute sa main dans un corps. Du coup, il a quand même du sang séché sur pas le... Pas possible, ça a brûlé avec les mains. Bref, il y a des éclaboussures sur le pagne. Sur le pagne. T'en es en train de balader en pagne, quoi. Ah ouais. Bah, écoute. Du coup... Un lavage automatique. Du coup, si tu veux, les Yojimbo vous accompagnent du style « Mouais, on va quand même venir parce que on voudrait pas se faire engueuler si ça y était un traquenard. » Du coup, vous rentrez dans la pièce en mode Isawa Toga-sama. Isawa Toga Dono. Voilà. Juste une question, vous voulez peut-être qu'on arrête avant ces scènes là ou vous voulez qu'on finisse les scènes de discussion? Ouais, parce qu'il est déjà 20h30. Ouais. Moi ça me dérange pas de continuer les deux scènes de discussion. Ok, c'est, ouais. C'est bon pour toi, Captain? On va pas les faire durer trop longtemps, quoi. Faire du traîner et puis voilà. Oui, hein. Est-ce que c'est bon pour toi, Captain? Ok, Beskar, c'est bon pour toi? On verra. Ok, donc du coup, on va faire vite. Bon, bah, Isawa Toga se réveille, hein, vous êtes en train de lui dire coucou, hein, on réveille. Bon, bah, tu vois qu'il... Bon. Tu lui donnes 5-10 minutes, hein, le temps qu'il se mette poliment. Yatsuhiro Sama, Togashi Sama, que puis-je vous voir en cette heure tardive? Isawa Toga Dono, nous avons enquêté sur la disparition des patrouilles autour de la montagne et nous avons rencontré un groupe de bandits qui se cachent dans la forêt je lui donne le nom de la forêt parce que mon perso apparemment il le connaît mais pas moi. Là tu vois qu'il y a une lumière dans les yeux et il te dit mais ce territoire est interdit. Nous étions aux abords de la forêt et nous avons été attaqués par ces bandits que nous avons réussi à faire fuir après un combat violent. Donc là tu vois qu'ils se lèvent en mode vénère et certains se sont réfugiés dans la forêt et tu vois qu'ils tracent la route. Tu peux l'accompagner ou pas, c'est toi qui vois. Oui, je l'accompagne. Et en fait il va voir le Taisa Shiba Senzo qui dirige une des légions, donc oui. Et bon bah tu le vois, il entre. Toi tu peux rentrer avec lui dans sa tente, Shiba Yatsuhiro. Par contre, on n'est pas rentré Togashi Sento. Donc tu restes à l'entrée ou pas? Ok. Du coup je vais rester à l'entrée. Voilà, donc je dis ce qui se passe. Donc tu as Isawa Toga qui dit Shiba Senzo-sama, levez-vous, préparez votre légion et vous partez sur les territoires du serpent. Il faut absolument des Shiba Yatsuhiro Sama a découvert des bandits enfin tu sens qu'il dit des bandits dans cette zone interdite. Ouais, si vous souhaitez je peux vous décrire ces gens. Ce ne sont pas de simples bandits de base, ils sont armés et très bien équipés
Et de très très bon, très très bon combattant. Ouais, tu vois que les yeux aussi de Shiba Senzo s'éclairent très vite. Tu vois, en quelques secondes, il a mis limite son armure. Il dit, et là, tu vois Izawa Toga qui dit, je vais me préparer, lever les troupes. S'il faut nettoyer cette forêt, on la nettoiera. Donc là, tu vois qu'il y a un branle-bas de combat qui est en train d'être sonné dans le campement de la Légion de Shiba Senzo et qui vont partir. Par contre, on te demande qu'au Phoenix de cette Légion de partir. De son côté, Ikoma Kaesama souhaitait parler à... Ah putain, je suis nul en nom. Excusez-moi. Matsu Hirohime. Matsu Hirohime, afin de lever des troupes et de mener un assaut sur ces bandits. Car ce territoire appartient au. Là, il te coupe, il dit ce territoire appartient au clan du Phoenix, c'est au clan du Phoenix de gérer cette affaire. Vous pouvez rejoindre la compagnie qui part. Clairement, il y a un ameutage des membres du Phoenix de la Légion et on ne veut partir qu'avec eux. Hein. Et clairement, dans une demi-heure, ils sont partis. Hein. Bon, vu la pression que ça va être fait. Pendant ce temps, évidemment, il y a la discussion avec Ikoma Kei. Donc, tu as pu rentrer, hein, Ikoma Kei. Enfin, tu as pu rentrer. Non, on t'a fait attendre 10 minutes. Le général, du coup, t'accueille. En mode table de nuit. Juste avant de finir notre scène, je demande à ce qu'un message soit envoyé pour prévenir du fait que seuls les phénix seront autorisés, vu que Ikoma Kaesama demande l'aide de la Légion. C'est pas ce que j'ai dit. Pas. Clairement pas ce que j'ai dit. Parler de ça au commandant de la Légion. Bah, je suppose que si vous partez, vous allez prévenir. Bah, je suppose aussi, mais je vais être sûr. Voilà, donc du coup. Mais général va pas être content. Oh, bon, on est sur Terre Phoenix et il se passe un truc chelou chez les Phoenix, du coup il y a de fortes chances qu'un Phoenix s'énerve. Oui, mais tu passes par le général. Ah, pardon. Et on t'écoute. Ikoma Kei, donc t'as pu rentrer. Du coup t'es avec Ida, hein, donc elle est habillée, on va dire en tenue de décontractée. Elle vous regarde par contre du style faut pas me mater. Voilà, allez-y, parlez, mais si vous l'avez fait réveiller pour un truc de merde, clairement vous allez le sentir passer. De toute façon, moi je regarde ses pieds, hein, clairement. Ouais. Général Dono, nous sommes rentrés de mission et nous avons identifié une vallée qui est dans les montagnes, qui sert d'habitat à des bandits. Qui nous ont attaqués et qui sont probablement à la cause de la disparition de nos éclaireurs. Cependant, cette vallée est d'après Shiba Yasuhiro Sama interdite par décret du clan du Phoenix. Ne voulant pas enfreindre cette loi, nous sommes revenus ici afin de vous prévenir. Du coup, la Légion et mon camarade Yasuhiro Sama est allé prévenir Izawa Toga et je venais au rapport avec ces informations-là. Je vous remercie de m'avoir prestement averti. Si vous m'avez averti en cette heure tardive, c'est que vous pensez que la menace est grave pour l'armée. En effet, la vallée est assez grande et elle pourrait cacher un nombre d'adversaires assez conséquents. Pensez-vous que la 13e Légion serait capable d'assainir cette région? Tout à fait. Bien, du coup, je donne l'ordre à la 13e Légion de partir pour ces zones-là. Et afin de punir tous les ennemis de l'Empire. D'autres choses? Non. Voilà, donc du coup, elle t'a dit ça. Pas très bien, moi je lui dis que je vais me préparer et préparer les hommes de la 13e à la bataille. À la victoire qui arrive. Ida, tu veux rajouter quelque chose? Non.
Ah, moi, je ressemble à un paysan, justement, moi, je suis couvert de sang de la tête aux pieds, donc... Ouais. Le sang, ça la gêne pas, elle, c'est plus... Là, l'impolitesse, tu l'aurais senti, hein. Tu te serais assis, par exemple, t'aurais fini infanterie première ligne. Je reste debout, stoïque, dire, moi, je suis voilà, bon. De toute façon, donc... Oui, bon, voilà. Du coup, c'est passé, voilà, vous avez... Du coup, elle dit, ok, vous avez votre ordre de mission, voilà. J'ai quand même compris de toute façon qu'elle pouvait pas me blairer, donc voilà, je me suis dit, non, elle est comme ça avec tout le monde. Et moi, voilà. Moi, elle m'aime bien, mais. En même temps, t'es dur, ça aide. Oui, Nicole Massou, ça aide. Je crois qu'elle aime bien les poils, en fait. Et du coup, nous gérons la prochaine fois le problème de d'empiètement territorial.